Next is open and expose and envy are going to take it down and take down Immortals. I think a lot of people like disregard envy a lot because of the record. But look at how low his health bar is. He's dead. That's a kill for Seraph, an easy 1v1. Obviously, TSM is like their number one, so they're obviously a good team. And Dignitas has just jumped into the ring with TSM and does not look like they're going to make it out alive. I don't think we're going to underestimate envy at all. Everyone off us is going to have a lot of respect for him, especially the jungler's pretty good. Well, he's going to get snared up. There's a stun from Seraph as well. Absolutely massive play. Huge first blood for Lyra. We just have to go in and play our best, I think. Just play what we know, not try and do their style. Envy, who were in dead last, now in ninth, and are literally a week away from reaching playoffs. Messieurs-dames, pour attaquer la deuxième journée de cette septième semaine de LCS-NA, en direct de Los Angeles, bien sûr. Dignitas va devoir faire face à CLG dans un premier temps, pendant qu'on a vu également la hype qui a été mise sur le TSM. Envious, qu'il faut reconnaître, est à une issue, on va dire, un petit peu programmée sur le papier. Le 2-0 semble être obligatoire pour TSM. Là où pour Dignitas, CLG, ça semble plus compliqué, Cardo. Ouais, c'est pour ça que je trouve assez amusant que Riot essaye de hyper le match TSM Envious. Alors bon, Envy, c'est bien, ils ont Seraph, Ninja, c'est une team qui est mignonne, c'est sympa, mais je vois pas pourquoi tu vas hyper ce match, en fait. C'est assez drôle comme de voir ça. Là où CLG Dignitas, bah, des deux côtés, il peut se passer des choses. Moi, j'ai voté le 2-0 Dignitas. Toi, t'es plutôt en mode CLG. Bah, la raison. A raison, je pense. Honnêtement, j'aime beaucoup Dignitas. C'est une équipe qui est capable de faire de très belles choses. Sunday m'avait beaucoup impressionné en Corée. Et Kin, bah voilà, c'est peut-être mon petit chouchou, honnêtement. Je trouve qu'il est capable de faire de très belles choses avec son Zell, avec son Ryze également. Mais il faut reconnaître que sur le papier, bah, CLG semble être une équipe plus solide, plus complète, mieux rodée, certainement. Donc, moi, je parie sur un 2-1. Après, il faudra voir dans les faits. On a déjà parlé pas mal des oppositions en général, donc Sunday d'un côté au niveau de la top lane, de l'autre face à un Darshan, des playstyles qui sont assez similaires. J'ai envie qu'on revienne un petit peu dans le passé, de voir un Fiora Jax, tu vois, ce genre de choses. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, d'autant qu'en fait le match-up Fiora Jax se joue à une chose qui est assez intéressante, c'est au niveau de la parade de Fiora, parce que Jax, on rappelle, son stun, il peut le réactiver, je crois c'est au bout d'une seconde ou quelque chose comme ça, et il peut le réactiver ou attendre la fin du stun. Et du coup, la parade de Fiora doit être placée au bon moment. Non, Double Leaf n'est pas mort, c'est une idée reçue, c'est une illusion d'optique, il n'est pas mort. Alors c'est assez drôle, c'est que Double Leaf d'ailleurs avait récemment mis sur Twitter qu'il aimerait bien voir des Draven dans LoL, hein, au niveau compétitif. Et Ansama avait dit bah moi je le joue, tu vois. Et Double Leaf avait dit ouais mais en NA. Et du coup lui-même ressort Draven. Donc voilà, au moins c'est-à-dire qu'il met quelque chose, il le sort. Ça n'a pas fonctionné, certes, mais tout de même. Il a tenté. Et il faut reconnaître, honnêtement, ça se fait, franchement, c'est intéressant. Le problème, c'est que Draven, en fait, ça crée énormément de pression en solo queue parce qu'il y a beaucoup de kills et parce qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi. Et c'est vrai que Draven, c'est un peu la Katarina ou la Riven du carry AD, je trouve, dans le playstyle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé hier face à ce Draven? Ben écoute, ça a joué la serrure, tout simplement. On fait, ok, il y a un Draven bot. On ne le tue pas, enfin on ne le tue pas, on le tuera si on a l'opportunité, mais on ne va pas jouer autour, on ne va pas le laisser prendre de kills, et ben, un Draven qui ne kill pas, c'est un Draven qui ne snowball pas, c'est un Draven inefficace. C'est ça, à moins d'être un monstre sur Draven, et limite d'être avec une Leona, moi je pense que c'est le bon moment, quand tu es avec Draven, tu dis on sort une Leona, écoutez les gars, ça passe ou ça casse, évidemment, mais t'essayes quoi, tu dis, il y a un moment, il faut tenter le truc, mais au niveau des matchs, enfin... Voilà, les Flight Quest, pour moi, c'est ce problème. C'est se dire à chaque fois, non, mais les gars, on va faire un truc out meta. J'adore, tu vois, il y a une partie de moi qui adore au fond. Et il y a une autre partie de moi qui. Bah, où il y a la réalité du jeu, quoi. C'est pas pour rien que certains picks sont plus forts que d'autres. Après, pour reparler de Flight Quest, dans les picks hors méta, Moon sort beaucoup Evelynn. Alors, même si, bon, il est sur un winrate de 40% sur 5 games, il y a quand même un cadet 7.1. Donc, le champion, il y a des choses à faire dessus. Il y a des choses à faire, mais le winrate. Parle pour lui actuellement, qui ne reste pareil. Enfin, après, chaque Wendell, la plupart des. On regarde l'historique FlyQuest, bon, il y a
il n'y a pas eu beaucoup de victoires hein, sur les trois dernières semaines. Bah non, c'est début de saison. Début de split, ça s'est très bien passé pour les FlyQuest, effectivement, parce que c'était une team très solide hein, de l'école aussi 9. Du coup, tout ce qui était shot call et tout était très bon. Et finalement, les autres teams ont step up au niveau du shot call, etc. Tu parlais de Immortals tout à l'heure, hein, d'ailleurs, qui en début de split était en mode poulet sans tête, écoutez les gars, on va à la bagarre, on va à la bagarre. Et qui finalement a réussi à se trouver une espèce de point d'ancrage et qui arrive petit à petit à step up en team. Et ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et j'adore ce système en fait de vote. Je trouve ça énorme le système. On voit le chat qui peut participer en direct à l'émission. Ça, c'est vrai que c'est cool, ouais. Et le chat est lisible, comme précise Rambo, effectivement. Merci Rambo. Il n'y a pas de copypasta ? Non. Déception. Oh oui, effectivement, on est tristesse. Et on voit un petit point au classement. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses quand même importantes à dire sur ce classement, avec notamment Cloud9 qui a d'ores et déjà sécurisé son slot pour les playoffs. TSM. Ça devrait suivre assez logiquement. Bah, je pense que même s'ils perdent toutes les games, c'est bon quand même. Je crois pas, parce que sinon, ce serait Rito nous l'aurait dit. Mais ouais, enfin là ils sont à 10-2 actuellement. Enfin, une T5 qui irait pas en playoff, ce serait genre juste complètement invraisemblable. Bah. Après, par contre, c'est très serré. Donc, P1, on a pas mal parlé, qui sont en train de faire une remontée des enfers. La line-up, malgré avoir perdu deux joueurs et deux joueurs importants, continue de bien performer avec leur nouveau support Stunt. FlyQuest en perte de régime, mais FlyQuest qui est quand même. Qui a un peu d'avance, on va dire, en quatrième position, et derrière sa bataille sec. Hein. Donc CLG qui remonte aussi, Immortals en sixième place, égalité, avec Echo Fox qui alterne une semaine sans, une semaine complètement épique. Derrière Dignitas, voilà, on en a parlé aussi un petit peu, je pense qu'il y a le potentiel. Donc honnêtement, les deux, même trois dernières places de play-off pourraient Echo encore être très très disputées. Echo Fox. Ah, je sais que t'as envie d'y croire, garde-vous. Mais... Moi j'ai espoir, tu vois, les Kofax sont juste derrière les Immortals. Hein. Et c'est le problème de cette team, enfin, je crois pas une seule seconde qu'ils vont gagner le split, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est une team qui, comme tu sais jamais ce qu'elle va te faire, peut aller en playoff, peut faire des bons résultats et puis peut d'un seul coup péter les TSM en playoff et tomber face au Envious. Enfin, c'est n'importe quoi cette team et c'est ça qui la rend très amusante, je trouve. Bah, ils ont fait des très belles choses. Quand on regarde l'historique, ils ont quand même réussi à mettre 2-0 à TSM, ils ont mis 2-0 à CLG dans la même semaine et par contre derrière, après, ils se prennent un 0-2 sur Envious. Ils se prennent un 0-2 contre Immortals, tu te fais, mais c'est pas cohérent. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas possible. C'est, voilà, c'est le moment où tu te dis, bon, on tombe TSM, tu te dis pas juste après, on va se faire tomber par Envious en 2-0. C'est pour ça, la team est ça. Drôle. C'est le fameux minuit les zouzous, mais c'est exactement ça. Ouais, exactement. C'est minuit les foufous, on avait dit même. Minuit les foufous? Midi les zouzous, minuit les foufous. Ah, c'était ça, ouais. Mais pour c'est le coup, ça. Ouais, Mini Echo Fox, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut faire fonctionner la machine. Il y a tout ce qu'il faut, honnêtement, Froggen. A rarement été aussi bon, j'ai trouvé, cette saison. Il est chaud. On va gommer les mauvaises games. Voilà, je parle vraiment de ces pics de puissance cette saison. Il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises games. En plus, ça lui arrivait forcément, hein, qu'on soit d'accord. Mais globalement, il fonctionne bien. Acadia dans la jungle, c'est une énorme apparition sur la scène nord-américaine. Sauf quand il sort sa Nidali. C'est vrai que la Nidali n'est pas encore dingue. C'est pas qu'il la joue mal, mais c'est qu'il y a un moment où Nidali, à moins qu'il soit ultra devant. C'est limité. C'est dur, quoi. C'est limité, c'est sûr. Il a jamais gagné sur 3 pics. Donc, non, bah, Echo Fox, une équipe qui cristallise beaucoup d'attention, mais qui n'est pas toujours au rendez-vous. Mais là, ce soir, regardons, c'est Dignitas qui va nous intéresser. Ouais, Dignitas, c'est moi que je sens chaud. Voilà, je sais pas pourquoi ce soir j'ai foi dans Dignitas. Comme à chaque fois que j'ai foi dans quelque chose, il se passe complètement l'inverse. Si vous avez des paris à faire, faites-les sur CLG, bien évidemment. Voilà, parce que à partir du moment où moi, profond, croit que Dignitas va gagner, ils vont perdre. Ouais. Forcément. Ah, il y a des chances, effectivement. On va voir. En tout cas, ici, les stats de Sunday. Dans près 15 minutes de jeu. What the fuck? Avant 15 minutes, il est kill avec Chaser. Jungle. J'aime beaucoup, moi, kill with Chaser, justement. C'est voilà, à chaque fois où il y a un kill avant 15 minutes, c'est avec le jungler, ce qui est assez legit. Hein, mais... On pouvait s'y attendre parce que c'est deux joueurs coréens, et donc forcément, au niveau de la communication, ça passe crème. Et puis, bon, Chaser reste quand même un vétéran de la LCK. Qui a vu un peu tout et n'importe quoi. Donc maintenant, Chaser, en termes de duel, mais en termes de 2v2, je pense que c'est une relation de jungle top qui est très forte chez Dignitas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Ouais, il y a pas mal de trucs. Mais après, je sais pas. Moi, j'ai foi. J'ai foi en eux. Tu vois, ce soir, tous mes espoirs vont en eux. J'y croivais. Je comprends. Je comprends, Gardôme. Le croivage est de rigueur dans cette rencontre Dignitas-TSM. Toi, tu croives dans les CLG. Moi, je croive dans les Dignitas. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime pas Dignitas en plus en particulier, je préfère CLG normalement, mais j'ai un feeling ce soir. Mais je sais avec que t'aimes team. Bien là, à l'encontre de ce que je propose, regarde-moi. Bah non, mais même pas, j'ai un feeling ce soir avec cette team, alors que je préfère les CLG justement normalement, et là je sais pas, il y a un truc qui se passe où je me dis ça. Darshan qui est mort moins que Sumday d'ailleurs, c'est assez drôle. Ah, par contre, lui aussi il a des kills avec Chaser. les infographies Rito qui sont au niveau des sujets qu'on avait eu la semaine dernière.
C'est... Ah, mais les sujets la semaine dernière, c'était beau. C'était bah, si on, quand on joue bien, on gagne, et quand on joue mal, on perd. Super. Génial. C'était, ouais. C'était chez EcoFox, c'était qui avait été en interview? C'était Acadian, je crois. Je sais plus si c'était Acadian. Est-ce que c'était pas Acadian? Ouais, j'avoue que ça m'a tellement pas marqué que. Ah, moi j'avais trouvé ça sublime. Le petit sujet magnifique en mode bah, quand on joue bien, on gagne, quand on joue mal, on perd. Waouh, mec, ouais. Tu m'as éclairé sur un truc dans la Ligue des Légendes que je ne connaissais pas. Effectivement. Ah, XMissi qui se marre. Hein. Alors, XMissi, pareil, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'est un joueur qui, en général, on va dire, est quand même dans la moitié, ouais, vraiment au milieu en termes de performance par rapport aux autres junglers NA, mais il a ses fulgurances, et notamment dernièrement sur Rengar, il avait été très impressionnant. Donc, XMissi, c'est aussi un gros point d'interrogation, est-ce qu'il va être capable d'être chaud? Là, il est dans une position qui est très forte avec Chaser. C'est le problème, à mon avis, ouais. Et en fait, est-ce que d'ailleurs CLG a juste envie de jouer agressif en début de game, ou est-ce qu'il pourrait partir du principe en se disant voilà, c'est une équipe mixée coréen et NA en face, si on joue à la macro, on va juste les exploser. On pourrait se permettre de juste jouer complètement en refusant les escarmouches en début de partie et attendre les transitions 25 minutes de jeu, jouer à 5 et derrière les défoncer. Bah, il devrait faire ça un petit peu un playstyle européen plutôt, hein. C'est-à-dire vraiment ce côté fermer la game, etc. C'est le plus intéressant à mon avis pour eux de jouer. Parce qu'aller jouer sur une mécanique, c'est peut-être pas leur meilleur choix. Là, on l'a vu du côté d'Ignitas, bah, ça joue bien, ça joue fort, mais ça manque un petit peu de toute cette macro-game extrêmement solide. Mm-hmm. C'est la fameuse force des CLG, du fait de jouer ensemble depuis très longtemps, de se connaître. Et même si le début de split n'était pas ouf à ce niveau-là, d'ailleurs, on avait été tous déçus de CLG. Ouais. On s'est dit que c'est une des rares teams bah, voilà, qui n'a pas bougé avec les Cloud9 et très peu les TSM. Et normalement, ce sont ces teams-là qui, grâce à cette bonne macro-game, réussissent à gagner les parties. Et finalement, ça n'était pas super bien passé, ça a commencé à revenir. Bah, ils ont fait l'inverse en fait par rapport à FlyQuest, c'est-à-dire un début catastrophique et une deuxième partie de Spring Split qui est excellente, parce que là, si on regarde sur les 5 derniers BO, à part contre TSM où ils nous ont fait une non-prestation, bah, derrière c'est 2-1 P1, 2-1 Immortals, 2-1 Team Liquid et encore 2-1 P1, donc ça a quand même bien fonctionné. Maintenant, est-ce qu'on va rester dans cette régularité ou est-ce que l'accident TSM a causé un précédent? On va le découvrir ce soir. La draft s'engage d'ores et déjà, Gardoum. Focus sur le Malzahr comme d'habitude, c'est vraiment un champion qu'on n'a pas envie de voir maintenant au niveau compétitif. Elise également contre Chaser, ça c'est beaucoup plus original. Ouais, c'est original et puis c'est assez amusant quand même d'avoir peur de Malzahr à ce point là. Quand tu vois tout ce qui est pas mal face à lui, tu prends une Zyra, c'est ok face à lui, tu prends une Lulu, enfin tu vois il y a pas mal de piques, vraiment que t'es vraiment une draft où tu dises qu'aucun de ces deux piques ne soit ok. Là bon, on a enlevé le Shen de base du côté d'Ignitas, on laisse le Graves pour XMissi. Finalement on a le Rengar qui est disponible pour Ignitas, attention on n'a pas le combo avec Shen hein, mais on a quand même quelque chose qui est assez fort ici. Camille n'est pas open par contre, ça c'est presque dommage parce que Camille finalement c'est un triple flex maintenant, ça peut jouer top, jungle ou au niveau de... Oh, le Rengar Lulu. Alors oui, la première rotation de pick des Dignitas, elle est quand même excessivement forte là. Donc tu parlais du combo de Rengar avec Shen qui n'était pas disponible. Bien, on sort une réponse. Hein. Côté Dignitas, Rengar Lulu, c'est excellent, ça a déjà fait ses preuves. Et Lulu qui revient complètement sur le devant de la scène. Ça, c'est un choix qui est assez intéressant, sachant que Lulu, même si actuellement on la voit quand même beaucoup plus en support, reste toujours un flex pick, jouable top, jouable mid, bah, comme la Camille dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, avoir Dignitas qui garde beaucoup d'options en poche, la réponse côté Counter Logic Gaming, c'est un profil de draft relativement similaire. Un jungler carry, à la différence près qu'on est sur un carry AD face à un assassin et derrière un support défensif. Ouais, après, Karma, tu vois, c'est un peu le support à tout faire, sans être incroyable. Après, je me sens d'Afromou l'année dernière, qui notamment était en train de surperformer avec des picks comme Bard, etc. Et qui d'un seul coup, une fois qu'il a dû passer sur des Karma, il était aux abonnés absents. Malheureusement, mais effectivement, vu que c'est moins playmaker que tout ce qui est Bard et tout, on le voyait un peu moins. Maintenant, évidemment, il a beaucoup step up à Afromou. On l'a vu récemment d'ailleurs sur des comment ça s'appelle la petite Soraka, avec qui ça a super bien fonctionné pour lui. Du coup, voilà, je pense qu'il a réussi à progresser à ce niveau-là, essayer à changer un petit peu son playstyle pour être bon, même sur ce genre de pick. Pourquoi pas? Alors, après, là, le Ez du côté des Ignitas, le problème, il faut absolument la draft orientée. Donc, on a une Lulu qui a de la poche au niveau de la bot lane, il faut absolument qu'il y ait de l'AP ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de la paix mid, de la paix top, il faut que tu aies de la paix pour forcer les adversaires à prendre un petit peu de RM, puisque malheureusement, on l'a vu beaucoup trop de fois, un S dans des teams quasiment full AD, et du coup tu te retrouves au moment où le S est censé être très fort, entre 20 et 25-30 minutes à peu près, face à des teams où il y a tellement d'armure que le S fait zéro dégâts, sauf s'il a masse d'avance, ce qui arrive très rarement en NA. Ouais, c'est vrai, effectivement, et du coup côté CLG, on va partir sur un carry utilitaire, cette hache. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'on priorise cette hache par rapport au Jhin qui était pourtant disponible. Donc là, peut-être plutôt l'envie de jouer le pick-up à outrance, à abuser des flèches enchantées.
et avoir toujours ce DPS constant qui va être assez intéressant, et d'autant plus qu'en face il y a du shield avec cette Lulu, donc les fights vont forcément être un petit peu plus longs. Et c'est vrai que Jhin, il faut le reconnaître, actuellement quand tu mets une grosse frontline dans la tronche et que tu le rushes, c'est beaucoup moins efficace une Ashe qui aura toujours ce potentiel de kiting qui apporte quand même beaucoup de dégâts en late game, mine de rien, on a tendance à l'oublier, hein, mais en mode rafale avec une Ashe, ah bah ça fait un DPS son monstrueux, même pour tomber des barons, des choses comme ça, c'est génial. Ashe, hein, pour tomber les tanks et tout, c'est Byzance avec elle. Après, chose assez amusante, c'est que Jhin, ce matin, on en a vu un, c'était face au SKT, à Profit, qui arrivait à chaque fois avec son... Nautilus, et il arrivait en mode assassin par derrière le fight et il chopait le Jhin adverse, voilà, comme si c'était un assassin, il venait, d'accord, il le détruisait, tu te dis what the fuck. Mais bon, c'était Jhin qui est un petit peu immobile malheureusement une fois qu'il est sous ultimate. Là où Ashe, en fait, tu parlais tout à l'heure de fermer la game, notamment que ça pouvait être intéressant de jouer comme ça pour les CLG, et je trouve que l'idée de Ashe Karma, c'est bien, c'est-à-dire que tu as un Graves qui a une juggle extrêmement forte qui va pouvoir aller counter tout simplement Chaser normalement, donc on assure ça pour X-Missy, ce qui est une bonne chose. Et en même temps, tu as déjà une botlane qui dit écoutez les gars, si on veut, on peut jouer en kiting, on a de quoi reculer, on a de quoi engage, mais on a peu de chance en fait d'avoir une erreur qui va être monstrueuse pour nous sans pouvoir en réchapper. Ouais, effectivement, et du coup Dignitas qui continue dans sa draft là avec un Nautilus son top lane pour Someday, donc certainement un matchup tank-tank, hein. On est en blue side pour celle-ci, donc je ne les vois pas sortir une Fiora ou quelque chose comme ça, je pense qu'on va rester sur le classique. Et d'ailleurs on notera le ban Renekton qui devient de plus en plus un standard en NA aujourd'hui. Mis en place en premier lieu par Ray, si je ne me trompe pas, chez les Cloud9, et en fait les gens se sont rendus compte que ça marchait bien. Et oh, derrière, oh oui, oh oui, X-Missy. Le problème, c'est qu'est-ce que tu sors face à un Nautilus, parce que là, Maokai, ça perd face à Nautilus, globalement. Tu peux sortir un Swain, potentiellement, alors tu auras un early game qui est pas super ouf, mais comme tu as un Graves qui peut mettre la pression à Chaser, ça peut être assez intéressant. Une fois que Swain sort de la phase de lane, c'est pas mal, ça fait un point d'ancrage à la team, vraiment. D'autant qu'à côté, tu as tout ce qui est dégâté. Poppy, c'est le choix safe, c'est-à-dire que tu as l'abordage Nautilus qui est en partie nullifié, tu as le dash du Rengar aussi. Bon, c'est le choix le plus safe finalement, Poppy, et ça va bien avec le reste de la draft des CLG. En mode, si à tout hasard on fait un pick-up avec l'arrow, on envoie la rire rapidement, etc., on met un gros burst et on s'échappe. Mais sinon, on peut très bien jouer en reculant, on a du dépush. On a pas la force d'engage. Le problème pour moi, c'est que c'est soit un charme qui passe, et encore, faut que les adversaires soient à portée, là où t'as un S qui peut poke à plus grande distance, soit tout simplement une flèche de cristal. Ouais, c'est sûr, et c'est quand même une compo qui est assez dominatrice en général côté CLG dès le début de partie. Parce que Poppy est connu pour être un très bon dueliste aujourd'hui, même en tant contre-tank, avec ses dégâts de base qui sont assez énormes. T'as une grosse front lane derrière avec cette Karma. Donc domination sur la top lane, j'ai envie de dire sur le papier, au niveau du mid, oui. Alors, je pense que dans le duel, si on compare par rapport à Kin, il est moins fort, mais le pick, Harry, je pense, est capable de prendre l'avantage sur une Cassio, d'autant plus avec un Ignite. Et au niveau du bot, on a forcément la domination au niveau du push. Donc CLG a les clés pour arriver à dominer sur le début de game. Et derrière, même une transition qui est assez forte, mine de rien, parce qu'on a un late qui est assuré avec cette Ashe, un mid-game qui va être très efficace, puisqu'on joue en triple menace. Là où du côté de Dignitas, c'est un peu plus late en fait en général. Je pense que la Cassio, passée les 30 minutes de jeu, va être excellente. Le Ezreal, en early, est quand même assez faible. C'est très bon en very early, mais dès que tu arrives sur le timing tiers, on sait bien que ça ralentit. Ouais. Donc là, je pense que c'est CLG qui va vraiment être initiateur dans ce début de partie. Ouais, c'est ça. Tout début de game, on part pour CLG. Ensuite, t'as une partie Ignitas qui est assez intéressante avec notamment ce combo Rengar-Lulu qui, vers le niveau 10-12, c'est-à-dire une fois que ton Aze a sa mana mune et la brillance, tu récupères une espèce de force où tu surpasses un peu la botlane adverse parce que Ashe aura pas énormément de dégâts par sa flèche de cristal, Lulu qui aura un très gros burst, etc. Et résultat du vote, donc 59%. Ah, les gens ont voté pour la raison. Pense que CLG va gagner. On verra. On verra, mais moi j'aime bien le côté Ignitas, c'est-à-dire very early, donc gagné par CLG à peu près partout. Ensuite, on a une petite part fin de l'early, début de mid-game qui est intéressante pour Ignitas. Et ensuite, t'as la part où t'as CLG qui revient et Ignitas qui revient en very late avec cette Cassio notamment, parce que Cassio en late, pour tomber les poppies et tout, ça pique. Je pense que c'est l'un des meilleurs AP min en late-game, si ce n'est le meilleur, juste parce que t'as 6 slots en fait. Ouais, t'as ce côté 6 slots qui est assez monstrueux, c'est complètement game-breaker si t'arrives à faire un bon ultimate. Mais je sais pas. Ah, je dois avouer que moi j'ai voté Ignitas, je ne bouge pas. D'autant qu'on est sur Dragon Infernal. J'aime bien. Là pour le coup, on est parti sur quelque chose d'assez explosif et d'embrasé dans cette faille de l'invocateur. Alors attention, Link Veil, Darshan, X-Missy, on va aller dire bonjour peut-être à Someday. La ward qui a été spot, hein, qui a été touchée. On a envie d'aller contester les Krug, bien sûr. Attention, Link Veil là également, Kin. Qui ne prendra pas le Thunderlord, qui adore se raviser. Alors attention, ce match-up mid qui peut être explosif, même si King, qui part sur une purge, va rester relativement safe.
Et d'ailleurs, oui, qui a changé son summoner, hein, qui a quitté l'Ignite au profit d'une fatigue. Et on rappelle, on est sur 7.4, donc la fatigue n'est pas encore nerfée. Ouais, après là, en fait, la fatigue, nerfée ou pas, ouais, quoi que l'attaque speed enlevée, bon, c'est toujours ça de prix, ma foi. Mais ouais, les 40% de dégâts, ça peut être intéressant une fois que le Rengar va sauter en plein milieu de la mêlée. Après, normalement, Rengar, comme ça se joue maintenant un petit peu plus tanky et qui va être en combo avec Lulu, il devrait pas être trop inquiet, même s'il se prend une fatigue, il a de quoi la tempo. Par contre, si ça poke, on va pas arriver sur la lane avec beaucoup d'HP, Chaser. Le petit proc du Thunderlord sur Afromu. Et on va peut-être repartir dans la jungle. Le problème, c'est que là, Chaser va prendre un léger retard dans la jungle. Alors, c'est de quelques secondes, bien évidemment. Mais bon, face à un Greff déjà où t'es pas ouf, le Greff te prend les corbins et ça, c'est une info importante. C'est-à-dire que là, les CLG, X-Missile prend les corbins. Les corbins, c'est le camp qui donne le plus d'XP. Et c'est pas, ça sert à rien de prendre le red buff face à ça. Enfin, ça sert à rien, entre guillemets, bien évidemment. Mais en termes d'XP, les corbins sont bien plus intéressantes. Et ça se voit de plus en plus d'aller juste récupérer les corbins sur la map, les tiens et ceux de l'adversaire au maximum pour faire un snowball d'XP. Bien sûr, allez, attention, le trail au niveau de cette top lane là. Oh, la poigne de l'immortel là. Et Darshan qui fait de belles choses. Attention, le shield qui va revenir. Oh là, mais on met tout. On met tout. Et on va en rester là. Darshan qui arrive à prendre le meilleur sur le temps. Ça a été très long. Le start shield et la fanbase NA, ouais, qui est bien plus biaisée que la nôtre. Hein. Ouais, complètement. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de la raison. Oh, ça me dégage pas de shield. Niveau 1. X-Missile au niveau 2. Le flash out. Attention. Oh là là, le dash en côté, c'est bien fait. First Blood pour X-Missile. CLG qui ouvre le bal là. Très bien fait. Le flash qui a été concédé pour Sunday, ça coûte cher. Ça fait mal, ça fait mal, et puis malheureusement on a vu que la Poppy était pas mal, et ce qui était très très fort du côté d'Arshan, c'est de bien gérer le CD du shield adverse. En fait, il a calculé parfaitement, dans le sens où il a stoppé le trade juste une seconde avant que le shield de Sunday revienne. Et il est parti à ce moment-là en fait, c'est une gestion de trade parfaite au niveau des conditions potentielles à gérer entre Poppy et Nautilus. Plutôt pas mal, X-Music va récupérer son blue buff, alors bon, il a récupéré le red buff adverse, finalement ça se compense sans trop de problèmes. Et on a bien sûr Chaser qui a récupéré les corbins de X-Music, donc ça a été un échange plutôt sympathique. Ouais, X-Messi qui a l'avantage là pour l'instant avec ce First Blood, un petit niveau d'avance. Et au niveau du mid, oui. Ah, le bisou qui a raté, ça coûte très cher, ça pourrait partir au kill. Ça flash out, flash in, Kin, solo kill U. C'est ça mon poulain. Ah, Kin que t'avais pas mal chauffé la semaine dernière avec le focus dessus notamment. Mais le joueur est bon, hein, le joueur est vraiment bon. Et puis c'est vrai que Harry face à Kassoupé, alors face à Harry, les picks sont forts, c'est ceux qui n'ont pas forcément de skill shot. Et Kassou, une fois que tu as placé ton dot, typiquement tu spams ton E, t'en as rien à faire que Harry, elle te tourne autour globalement. C'est pas trop gênant. T'as l'avantage d'avoir la vitesse de déplacement améliorée aussi. En plus, ça, jouer avec une cleanse, je pense que c'est la solution vraiment ultra safe. Ah, c'était très bien joué ça, cette bombe aussi. Ah, le sidestep sur le bisou, magnifique. Honnêtement, c'est magnifique ce que propose Skin là. Et le deuxième croc derrière, boum. Sanction. Flash trade, oui, au tapis. Et là, ça fait 12 creeps d'avance pour le midlaner des Dintas. La bonne nouvelle pour Oui, c'est qu'il va être obligé de passer par la case Tears. Et que logiquement, une Harry double Doran, même sans flash, est tout à fait capable de tenir face à une question dans ce genre de situation. Ouais, après, le point très intéressant pour moi au niveau de la mid lane du côté des Dintas, c'est ces miasmes qui vont complètement empêcher Harry d'utiliser son ultimate. Et du coup, sur un bon gang du Rengar qui place à ce moment-là les bolas, entre les miasmes et les bolas, t'as moyen de tuer Larry facilement, parce que concrètement, t'as quand même 3 CC pour Larry. T'as bien évidemment les miasmes qui l'empêchent de dash, tu vas avoir les bolas qui vont complètement la bloquer, et t'as potentiellement le regard de la méduse aussi que tu peux placer juste après les bolas, le temps qu'elle est lock. Et ça, c'est ultra intéressant, c'est-à-dire que Harry, là où c'est un pic qui est super chaud à gank, normalement, là, la compo des Dignitas permet ses ganks. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors après, on a eu skill près niveau 6, quand t'as de l'ulti et qui arrive, c'est quand même très très dur à attraper. Donc on verra. En tout cas, pour l'instant, CLG fait un début de game intéressant sur le top side. Dignitas répond bien au niveau de cette mid lane. L'un dans l'autre, pied d'égalité, j'ai envie de te dire. Et on sent que Darshan, au niveau de cette top lane, pour l'instant, est un peu en souffrance en termes de points de vie. Après, voilà, Sunday qui crame sa barre de mana très rapidement pour pouvoir push sur le bon tampon là. Petite poignée immortelle, la réponse à l'abordage. Et les répliques sismiques. Darshan qui va bloquer cette vague de sbires, qui va devoir concéder un mêlée tout de même. Voilà, les Q, pas de soucis à ce niveau-là, on va pouvoir tranquillement. Assuré sans farming. Oh, il a carrément la ward de contrôle là. C'est assez amusant cette ward d'ailleurs du côté de Sunday. Étonnant, mais c'est pour permettre un lane gank de la part de Chaser. Après, bon, à moins que Darshan ne passe pas dans le bush du tout. Le point sympathique, c'est qu'au niveau de la top lane, du coup, Dignitas gagne forcément puisque Nautilus gagne face à Poppy. C'est un fait, tu push plus vite. Tu peux prendre la Sunfire qui est très forte face à Poppy. Là où Poppy, en fait, si elle veut gérer le push, elle prend les cendres de Bami. Mais dans ce cas, tu mets des dégâts qui sont complètement insane. Et du coup, elle est forcée de prendre un manteau de spectre, ce qui va la gêner au niveau du push. Et du coup, forcément, tu as le push avec Nautilus qui peut permettre aussi de décaler potentiellement soit de TP sur notre lane, soit de décaler mid, des choses comme ça. Après, là, on voit Sunday qui est un peu précipité au niveau de son retour en lane. Forcément, son TP étant down, derrière, il n'a pas eu le temps de régénérer l'intégralité de son mana. Donc, ça, au niveau du push, ça pourrait être un souci. Et Darshan d'ailleurs qui part sur le manteau de spectre dont tu parlais.
Donc là, au niveau du top side, je mettrais léger avantage pour CLG. Le décalage au mid sur Keane. Attention, il n'y a pas de flash. La purge. Mais cette purge est mise beaucoup trop tôt. Attention, le turn a peut-être sur un promo qui pourrait tomber. Non, ça suffira pas à Keane qui va s'en sortir. C'était un peu brouillon. Ouh, c'est un peu brouillon. Après, coup de chance, ça passe. Mais cette purge était. Comment dire. Est-ce qu'il n'y a pas de purge pour le bisou de Harry? Ce qui est pas impossible là. Attention, Stixey qui prend un peu la sauce. Ça va aller. Ah, il purge le bisou, se prend le lock après, il aurait pu purge les deux à la fois. Enfin, ça s'est bien passé pour lui au final, donc c'est ce qui compte vraiment du côté de Keane, c'est pas mal. Oui, Keane n'a toujours pas de flash, mais Chaser qui n'est pas encore niveau 6, il faut absolument qu'il récupère l'XP. Il a Chaser, quitte à avoir pris le premier red buff, va aller prendre le deuxième absolument. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu X spécial qui a pris la vision grâce à la petite plante. Hein. Ouais, effectivement, et on va chercher le catch, on attend X-Messi. Attention, X-Messi qui est déjà niveau 6, et Afromu très intelligent. Qui prend l'information avec cette ward sur le counter jungle de Chaser, le smite, pas de problème, le raid récupéré par Swing. Il y a X-Missy au niveau de la top lane, la grenade ASM pour le peel. Oh, le flash out derrière. Oh, ça passera pas, c'est dommage. Et Sunday, les dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux, c'est validé. Ah, c'est pas mal, c'est-à-dire que Sunday il avait bien tempo le temps de la zone de Poppy, etc. Darshan qui a tenté de cancel l'abordage. D'ailleurs, je suis étonné que ça n'a pas été cancel, c'est-à-dire que l'abordage est plus fort que le dash en fait. Ouais. Ouais, c'est assez étrange, effectivement. T'as toujours des spells qui passent par-dessus d'autres comme ça et tu sais jamais trop dans quel ordre, malheureusement. Donc l'abordage, finalement, passe avant, ou alors c'est peut-être une question de frame, tout simplement. Mais bon, dans tous les cas, ça se passe plutôt mal pour les CLG. Alors, le problème, c'est d'être en train de snowball top. Bon, c'est un Nautilus, c'est jamais trop en retard. Point intéressant, c'est qu'on a un Graves qui a 2-0 et Graves, déjà, c'est extrêmement fort face à un Rengar. Ça le vaut en 20, ça le détruit. Donc là, on est plutôt bien pour X-Missy. On va avoir ça là. Et alors, ça. Parce que mécaniquement c'était quand même grandiose hein, ce que proposait Darshan. Ah, c'est parce que le dash n'était pas encore commencé. L'encre n'avait pas encore touché, du coup il n'y avait pas encore eu le dash. Ouais, c'est possible. Parce que tout ce qui est les déplacements, que ce soit les jumps de Kha'Zix, etc., c'est arrêté par n'importe quel CC. Sauf que là, le dash n'était pas commencé, il a commencé après. Et du coup, forcément, il passe. Ça s'est joué en fait à quelques frames. Ah, clairement. Bon, dans tous les cas, ça aboutira à un deuxième kill pour le jungler CLG qui a d'ores et déjà son warrior. Et là, qu'on parle d'éliminations entre les junglers. Il n'y a pas photo pour Chaser, il va falloir cravacher dur pour attraper ce retard. Puis les levels aussi, un level d'avance du côté de X-Missy. Alors Dragon Infernal, on a la vision grâce au Corbin de la part d'Ignita, c'est pas mal, ça va le couvrir encore quelques secondes, mais ça va pas durer très très longtemps, ça peut être assez compliqué. Attention, X-Special, X-Special ici, oh là face là. X-Missy. Il y a pas d'utile sur le Graves encore, attention, le Thunderlord, là, les dégâts, le flash out qui est forcé, X-Special, qui va devoir entrer de son côté de la jungle, et King qui ne sera que témoin de la déroute de son support, oui, qui tente de mettre un peu de pression. Sans succès pour le moment, oui, toujours en souffrance sur cette mid lane avec 20 creeps de retard. Le warding deep qui a été mis en place de la part des CLG, on a une ward au niveau du groupe, on a une ward au niveau du blue buff, on a une ward au niveau du petit bush à côté de la tour, à côté de Keane. C'est-à-dire que là, globalement, du côté des CLG, on ne peut pas bouger bot side de la map dans la jungle sans être vu, du côté de Nyctas, pardon. Oh, dommage. C'est counter jungle qui est raté là. X-Missy qui claque son smite un tout petit peu trop tôt. Mais en fait, depuis tout à l'heure... Chaser, il peut pas du tout exister parce que en permanence, en fait, dès qu'il y a un gang sur le top side de la carte, il y a X-Missy qui vient prendre de la vision dans le bot side. Oh, oh, attention, le Goin a un V2. X-Missy, des dégâts. X-Missy, ce qui peut y arriver dans le tutut de TP qui va être cancel. X-Special qui prend le kill. Ouais, bah, c'est dommage. Mais en gros, Chaser, il est un peu, voilà, il est un peu immobile. Bon, là, ils ont fait une bonne phase de jeu. Mais en gros, tu sais, vu que les monstres dans la jungle, ils respawnent très lentement maintenant. On sait, en fait, quand il est top side, une fois qu'il a fini, il a plus rien à y faire. Donc il est obligé d'aller botside et une fois qu'il est vu, en fait, on peut tout contrôler sur ses déplacements. Et c'est ce que font les CLG depuis le début de la partie. Alors même si la mid lane perd, en fait, ça permet à Darshan d'être super bien et ça permet à Duolonen d'être hyper safe, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont le contrôle sur le late game. Après, ce move infortunate là va les mettre derrière au niveau du dragon. Mais CLG avait un bon contrôle de la vision en début de partie. Ouais, bon contrôle de la vision. Après, ils ont comme 1000 gold de retard pour l'instant. Les CLG, faut faire attention à ça. Et notamment au niveau de cette mid lane où il y a les 20 CS de retard. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais effectivement, Chaser a pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit pour le moment, si ce n'est bien évidemment ce move dans la jungle et qui est un petit peu nullifié par X-Special qui prend le kill là où il y avait les 4 stacks qui étaient up du côté de Chaser. Enfin, le kill était gratuit pour ce Rengar, c'est un peu dommage de lui avoir pris. Ouais, effectivement, du coup Chaser qui revient dans cette game là avec son Warrior et un Dragon Infernal en poche, ça va changer beaucoup de choses hein, sur le burst d'un Rengar et même pour une Cassio en fait hein, parce que Keane met toujours cette pression au niveau de cette mid lane même s'il n'est pas sur une optimisation très offensive. Avec sa tears, il avance sur Abyssal en rush. X-Missy, il a troll Oui ou quoi? Il semblerait. C'est-à-dire qu'il attend que Oui arrive, et au moment où il arrive, il met le dernier tir. Peut-être un misclick, ça arrive ma foi, mais c'est un petit peu dommage déjà que Oui est pas bien sur sa lane, si en plus il a pas de blue buff, c'est compliqué.
Moi j'aime beaucoup le côté qu'il y a un autre dragon infernal juste après, on va être dans une game qui peut pas mal snowball. Un Rengar qui a déjà un stack, c'est pas énorme à ce moment de la partie, mais du coup ce combo dragon infernal plus stack de Rengar, c'est assez insane en termes de dégâts finalement. Clairement. Et pour le coup, Chaser qui continue dans cette phase de farming. Alors, au niveau du mid X-Missy qui fait son passage, 2-2-1, du coup le shutdown qui a été récupéré. Est-ce que ce serait pas le moment de s'intéresser sur cette botlane pour ce Graves? Donc il va se mettre sous la dent, il y a une arrow à disposition. Afromou roam beaucoup. Il a déjà apporté pas mal de vision au niveau de la jungle botside. D'ailleurs, on notera la petite ward de contrôle qui a été bien avancée au-dessus de la T2 DCLG, qui peut donner beaucoup d'infos, notamment sur le pop du prochain raid, éventuellement. On va voir, en tout cas on n'a toujours pas de terme de récupérer dans cette game. Non, ça c'est safe et je pense que vraiment que Chaser devrait aller faire coucou au bot puisque finalement le combo Rengar-Lulu fonctionne très bien, t'as le S pour mettre des dégâts à distance et surtout venir en backup. C'est-à-dire que les Dignitas peuvent faire un bait à grande distance, ça c'est intéressant parce que généralement quand t'es bot lane, que tu veux setup un gank pour ton jungler, t'es obligé de t'avancer, mettre les CC pour que le jungler vienne après. Là en fait avec S-Lulu, tu as moyen de venir dans le fight super vite dès que le Rengar engage. Du coup tu peux bait de plus loin en mode mon jungler est pas là du tout, regardez on est en train de reculer mais de reculer loin. Et ça c'est un truc qui est assez intéressant, ils peuvent jouer là-dessus, sachant qu'en plus Chaser va pas être inquiet normalement de la part des CC des CLG. L'arrow il peut la clean tout simplement. On a le backup, on a un bon chase qui est mis en place par Lulu avec l'avancement, par le S avec son Arcane Shift. Il y a des trucs à faire et une fois que tu as ouvert ça, tu ouvres la bot lane et tu peux faire le swap finalement. Bien que Someday soit plutôt bien, mais Someday pourra aussi tenir le 1v2 bot une fois que le swap sera fait. Ouais, clairement là pour l'instant, attention les Bami hein, qui ont été récupérés d'un côté, mais la brillance de l'autre pour Darshan qui veut jouer agressif là. Ah, elle s'est trouvée avec la poigne de l'immortel, ça fait de bons dégâts mine de rien. Et on sent cette poupie de plus en plus dominatrice dans ce 1v1, même si le farming a tendance à donner l'avantage pour Someday. Bon, l'un dans l'autre, ce sera deux champions qui vont tanker énormément. Au niveau de la botlane, par contre, attention, Dignitas, Carapateur, sous leur contrôle. On va aller récupérer cette ward de contrôle, justement. Chaser qui fait toujours peser la menace d'un ulti potentiellement sur la duo lane des CLG, qui est assez fragile à choper. Hein. Il n'y a pas d'escape. Après, il n'y a pas beaucoup de contrôle sur la duo lane Dignitas. C'est un petit peu de souci, je pense, l'un dans l'autre. Ouais, ta Bola, c'est ralentissement à peine. Je suis d'accord, c'est pas énorme face à une karma en fait, ça ne suffit pas, je dirais. Ouais. Mais à moins d'avoir assez de dégâts, ça peut être compliqué. Par contre, là, Chaser qui va dans le bush, là où il avait deux mates qui pouvaient enlever la ward avant qu'ils viennent justement pour mettre la pression. Ce qui est dommage, c'est que, outre la pression en moins, ça donne aussi une information très importante à la team CLG où on leur dit, bah voilà, le jungler il est là, vous avez un certain temps avec light top ou autre. Et ça, c'est toujours des informations importantes qu'il ne faut pas donner normalement. Donc, petite erreur ici de Chaser. Ouais, c'est sûr, effectivement. Et les deux junglers qui vont se diriger au niveau du top là. Red buff en poche pour Chaser. Est-ce que tu peux vraiment ganker une Poppy avec un Rengar? C'est compliqué, parce qu'avec ton ultimate, tu donnes l'information très tôt. Un anti-dash, normalement, t'es safe. Mais par contre, sur un 2v2, X-Missy est très fragile. X-Missy est très fragile, il n'y a pas d'armure du côté de Darshan. Ah, ça peut être intéressant. Après, faire attention, c'est que Chaser, lui, prend aussi beaucoup de dégâts. Et Darshan, étant donné qu'il a son flash et il a une brillance, concrètement, sur un gank raté de la part de Chaser, Darshan, il tamponne contre un mur, il se prend le burst sur un Graves. Et c'est complètement fini pour ce Rengar. Un petit peu hard, mais bon, je pense que Chaser aurait quelque chose à faire à les gank Darshan dès maintenant. Avant que ce dernier, justement, ait une côte de maille ou quelque chose comme ça. Il faut absolument qu'il puisse prendre un kill, ça lui fera un stack supplémentaire. Ça se met en place assez facilement, parce qu'en face, il y a de l'ARM, mais il n'y a pas d'armure. Le temps que la Poppy mette sa zone anti-dash, tu peux très bien la bait avec un abordage, tu peux très bien la tempo quand tu es sous ultimate. Enfin, il y a un petit kill à prendre sur Darshan ici. Ouais, il y a des choses à faire, c'est sûr. Il est low en plus. Là, c'est un mec qui continue de vouloir jouer agressif. Voilà, maintenant, avec les Bami, le push d'une ulti, c'est très très dur à contenir pour cette Poppy. C'est vrai que le choix de cette brillance, il est assez contestable. Je suis pas sûr que ça lui apporte tant que ça dans son 1v1. Alors que là, les Bami auraient pu lui permettre d'une, d'être plus tanky, ce qui est toujours bon à prendre, et ensuite d'arriver à peut-être moins concéder de points de vie, ne serait-ce qu'en termes de tanking sur les sbires. Parce que là, par de nombreuses fois, on l'a vu, Darshan est obligé de s'arrêter, de tanker la vague pour freeze, pour ensuite pouvoir last hit sous la tour, on met des Q-spells, et ça coûte un cher, mine de rien, au fur et à mesure. Et le décalage au niveau du bot à 4, là. Les Nitas font des moves, t'as pas l'impression, je sais pas l'impression que ça me donne, c'est qu'ils vont pas setup les moves à l'avance en mode on enlève la vision, c'est on y va à plein, bon bah il y a de la vision, c'est dommage, on cancel le move. Ouais, c'est... Ça peut s'anticiper. La game est bloquée là en fait, là. Tout simplement, le mid, ça joue trop d'ev des deux côtés, t'as une fatigue, t'as une clean, t'as un abyssal, donc il y aura pas assez de dégâts, il y a un négatron, donc c'est foutu. Au niveau du top, on l'a vu, bon c'est un matchup de tank, donc forcément c'est dur, malgré le fait qu'on ait deux assists pour Darshan. Donc il n'y a que ce bot side qui est particulièrement bien wardé. Regardez le nombre de wards investis par les deux équipes. On a 3 wards classiques pour Dignitas, une ward de contrôle, 3 wards normales pour CLG.
Les deux tours sont verrouillés, il va falloir l'apparition du Drake. Et c'est dans 15 secondes, Gardeau, et ouais. C'est un dragon. Infernal. Deuxième Infernal. C'est marrant, c'est qu'il y a des games où à 18 minutes, t'as toujours pas un seul Drake de fée. Là, à 16 minutes, t'en auras deux, justement. C'est plutôt pas mal. Et les Dignitas peuvent le faire très rapidement. Parce que là où une hache, sans avoir un bon DPS, tu l'as pas encore à ce moment de la partie. Par contre, t'as une Cassiole qui est monstrueuse. Et l'Abyssal qui va être un item qui synergise super bien. Attention, X-Mix qui est prêt à partir. Les dégâts sont énormes et c'est le kill récupéré par Kin cette fois-ci. Attention là, oui, pour venger son mate peut-être, le décalage d'Afromou. Chaser qui va tourner sur Afromou, les dégâts de Rengar, le flash tampon de Darshan, la croissance prodigieuse, flash out, Darshan. Chaser est en sûreté, quoique Wii qui part au chase, pense là sur le flanc droit. Stixey vient tomber sur les coups de l'autre, ça fait 3 kills déjà pour Dignitas, c'est pas terminé, j'ai l'impression. Darshan doit suivre ses coéquipiers, double kill pour l'autre, et c'est un ace. Chaser, il a tué Oui alors qu'il se faisait chase justement en même temps de la jungle. Et là, du coup, Ace plus deuxième dragon infernal. On a 3000 gold de l'avance pour Dignitas. Et je disais tout à l'heure, en fait, c'est que l'Abyssal, c'est un thème qui synergise trop bien avec la team. C'est-à-dire que Nautilus, dégâts magiques. Cassio, bon, dégâts magiques forcément. Ace, t'as une partie dégâts magiques. Lulu, dégâts magiques. Et du coup, tu vas booster tout ça de 10%. Ouais, c'est assez énorme. Hein. C'est... Donc là, on récupère la force brick, la terre bot, le deuxième dragon infernal pour les Dignitas. Ah, ils prennent deux tours même. Ils prennent 4 Kagol là-dessus, presque. Bon, ils prennent 5 Kagol de l'avance. Ça fait mal. Oh, ça fait mal pour SLG cette erreur. Ça pourrait être la game, ça déjà. À 7 minutes de jeu. Et c'est là la force du pic Lulu en fait. C'est-à-dire que à la base, le bait d'Afromou est pas mauvais. Afromou, quand il revient, on va voir, c'est la deuxième partie du fight. Donc là, X-Missy tombe, ok, y'a pas de soucis. Bon, oui, il est juste à prendre des dégâts. Y'a Afromou qui arrive. Et là, Afromou, il sert de bait. Afromou, il sert de bait puisqu'on a Darshan qui arrive au niveau du red buff. C'est intéressant. Sauf que Chaser, il a l'information. Afromou, bait. Là, Chaser, il va survivre grâce à X-Special. C'est la Lulu qui fait le fight. Et grâce à ça, en fait, ça ruine un petit peu tout le move des CLG. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre. Ah, le dragon. Ah, oui, d'accord. Et Chaser qui a trichot, oui. Et puis, bon, Darshan, dernier survivant. Encore la Lulu là, qui protège, comme tu le précisais sur l'Od. Ouais, effectivement, Stixey, là, c'est un bilan qui est lourd. Excessivement lourd. 5 Kagold de retard maintenant. Double dragon inferno à disposition pour Dignitas. Une Cassio qui est feed, un Ezreal qui a 18 minutes de jeu, Manamune et Trinité contre une hache qui n'est qu'un Runan. Bah ouais, en face il n'y a pas d'armure encore. Oh, ça va être tellement dur. Darshan qui va en avoir un petit peu. Mais c'est justement voilà, cette phase dont je parlais tout à l'heure au moment de la draft, c'est que Ez, t'as besoin qu'il y ait peu d'armure au moment où t'as ton Power Spike en face. Et là t'as une chaîne veste. Voilà, t'auras peut-être la Sunfire, mais en fait il a tellement d'avance que ça va pas être un problème à ce moment de la partie. Et puis bon, la Poppy, ça n'a pas une grosse hitbox. C'est aussi à prendre en compte. Hein. C'est une question de hitbox aussi. C'est-à-dire qu'avec Ez, t'aimes pas trop jouer face à un Nautilus, t'aimes pas trop jouer face à un gros Shogat. D'ailleurs, ça refonte, je sais pas si on le verra un jour. Parce qu'il y a des grosses hitbox, il peut se mettre en cover. La Poppy, ça n'a pas une hitbox incroyable. Et du coup, tu peux plus facilement toucher tes Q-spells sur d'autres personnes. C'est un détail auquel on pense pas souvent, mais qui a son importance dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai, clairement. Clairement. Et voilà, pour le coup, c'est LG. Alors, quelle solution maintenant? Stall la game peut-être, attendre son moment, mais c'est pareil, là en fait on va arriver dans le mid game et je pense que le mid game il est largement l'avantage de Dignitas. Bon, déjà naturellement la compo CLG est peut-être un petit peu plus forte, mais ça se repose principalement sur cette Ahri à 20 minutes de jeu et cette Ahri est à 0-2. Il n'a qu'un Abyssal en termes d'items vraiment offensifs avec certaines bottes de sorcier, mais bon ça c'est classique dans tous les cas. Donc, ça va être un véritable souci. Je sais pas, Nashor arrive dans 40 secondes, en plus la compo d'Ignitas permet de faire Nashor assez facilement avec cette Cassio. Oh, super vite, et puis Chaser qui a déjà, je crois qu'il a 4 stacks là, 3-4 stacks, plus de Dragon Inferno. Du coup il a un petit boost d'AD qui est 25% approximativement, il a 249 d'AD avec 2 items. Ça me paraît tout à fait correct pour un Rengar, sachant qu'en plus on rappelle qu'il y a eu le changement au niveau du Black Cleaver, hein, 10 d'AD de moins mais 100 HP de plus. Donc toujours très intéressant, oh, attention ici. Ah, il va devoir reculer l'ultimate de Chaser là, Darshan isolé qui va arriver à dégager le matou. X-Missy qui est en train de se faire 1v1 par un Nautilus sans complexe. Darshan au Sunday. Il n'y a pas la grenade ASL, l'abordage qui va passer sur Darshan, la croissance prodigieuse qui apporte le slow. Darshan isolé qui va tomber à la suite de la prise de cette tour et Dignitas qui continue d'assurer sa domination sur la game, même si en cross map Stixey arrive à trouver le push. On n'en a pas fini sur le top side. Ça va continuer. Et ça, les Dignitas, je trouve qu'ils jouent bien et ils ont un power spike et ils l'utilisent à fond. Et ça c'est bien, ça c'est une team qui mérite de jouer. T'as beaucoup de teams en fait qui dès qu'ils ont leur power spike ils font rien de plus ni de moins. Là ils ont un gros power spike, ils le savent, ils ont pris de l'avance, mais ils en profitent énormément. Ils vont prendre la tour top, ils vont prendre le kill. Attention à la botlane Stixey comme tu l'as dit, mais voilà là il va se faire contester un petit peu par Sunday. Il n'a plus de mana le bon Stixey. Du coup on va devoir reculer, il faut attendre pour SLG, c'est que là on n'est pas assez fort. On a une Ahri qui ne peut dépop personne, on a une hache qui met pas assez de dégâts par rapport à Suez.
Kixmissi, bah, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est pas suffisant. La Poppy qui ne tank pas assez. Et là, il faut serrer les fesses du côté de CLG. T'es obligé de défendre les T2, voire peut-être les conseiller et défendre les T3, parce que du coup, tu défends un espace plus restreint. T'as du dépush. Il va falloir attendre longtemps, au moins 10 minutes avant de pouvoir faire quelque chose. Ah, il faut. Je pense que la prochaine porte de sortie pour CLG, c'est le triple item de H. Donc, effectivement, il va falloir attendre très longtemps. Parce que là, on est sur. Alors, après, s'il part sur une nuit en deuxième item, sur un malentendu. Et c'est ce qui. Non, il va faire Essence River. Ça, je pense que c'est un choix qui coûte cher aussi hein, pour CLG. Ouais, parce que globalement, Essence River, c'est bien, c'est quand tu veux enchaîner les moves avec ta team, enchaîner les arrows. Là, tu vas plutôt être en réaction, donc tu auras une arrow à faire une fois tous les 36. T'as pas forcément besoin de la CDR, mais t'as besoin des dégâts au moment où tu vas placer l'arrow sous ta tour pour essayer de défendre. Ouais, non, ça va être un vrai problème. Sachant en plus que bah, Dignitas, avec cette purge sur Icassio, t'as une cible qui est pas sensible à cet arrow. Chaser, bah, il a son rugissement, donc normalement, ça devrait le faire aussi. D'ailleurs, Sniping Special, ça pourrait être une bonne option, mine de rien, parce qu'on l'a vu, cette lue apporte quand même beaucoup en termes d'utilitaire. Et puis bon, Someday, bon, ça reste un Nautilus, hein, bien sûr, t'as pas envie d'investir ce genre de CD sur une frontline aussi massive. Someday qui va prendre son botside d'ailleurs, hein, qui va pouvoir wave clear tranquillement. Et on commence à la short dance à 22 minutes de jeu, même pas pour Dignitas, très tôt, mais ça, c'est aussi la conséquence, bien sûr, d'avoir récupéré 8 kills aussi rapidement dans une game. Ouais, les 8 kills, les 2 dragons infernaux, enfin là on est quasiment à 6000 gold d'avance en faveur d'Ignitas. Prochain dragon c'est un Ocean Drake, et finalement à ce moment là de la partie, c'est le dragon qui est le moins intéressant du jeu quasiment. C'est toujours sympa d'avoir un petit Ocean Drake évidemment, mais tu l'aimes beaucoup en early game pour la phase de lane. T'aimes bien en avoir plusieurs en mid late game, mais un seul en mid game, c'est pas très très utile malheureusement. C'est pas dingue, c'est sûr là. Et du coup, bataille pour cette vision, ward de contrôle en place pour CLG Lod en split là. Ah, petit sceptre empirique déjà de récupérer. Ça c'est important mine de rien, parce que l'autre il va avoir du temps pour DPS. Il va devoir frapper majoritairement sur cette Poppy en fight. Et on sait que bah, c'est long à tomber ce genre de champion. Donc avoir un petit peu de sustain, ça va toujours bien sûr très efficace pendant qu'on voit la courbe des golds au passage. Ça avait bien commencé hein, pour CLG avec Xmissi, mais voilà, il y a eu ce fight. Tout est parti d'un bon pick-up hein, de la part de Chaser et de Keen. Et en fait d'ailleurs on continue à réfléchir, Keen part deux fois hein, il arrive à être initiateur de mouvement et solo kill sur Will, là derrière après speak up, il est très bon ce soir. Ouais non vraiment, je valide le focus de la semaine dernière. Ah complètement. Merci. Ah, je valide et... Je suis flatté. Là ce que je suis content, ah, attention, le baron qui est commencé par Ignitas, on n'a pas de vision pré-CLG, le baron qui va être fait très très rapidement, là t'as une Cassio qui est en train de le découper à coup de croix, ah, morceau du serpent. Ça va vite, 2000 HP, c'est validé. Pour Ignitas, pas de problème, CLG qui est complètement attentiste là, qui sait pas où aller. Qui a pas de solution pour le moment. Et alors maintenant, quel choix pour eux? Est-ce qu'on va aller concéder les T2? Est-ce qu'on va les défendre corps et âme? Est-ce qu'on peut arriver à trouver peut-être un fight hein, honnêtement, sur un malentendu, on a le double item sur le Graves. Ça peut partir vite sur un pick-up. Oh, attention, la track de Chaser pendant que sur la botlane, la Someday qui est en train de mettre la pression à Darshan. Au revoir Darshan, content d'avoir connu. Ah, honnêtement, Someday il avait déjà quasiment solo kill. 333 AD sur Chaser. Oh là 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 là. Tout va bien. Oh là 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 là, la boucherie de ce Rengar. Et bah les Dignitas jouent bien. Vraiment, c'est leur jeu est propre, ils prennent pas de risques. C'est plutôt pas mal géré de leur part. Et là, le problème, c'est que t'as pas assez de dépush du côté des CLG. Tu ne peux pas prendre un fight sous tour parce que t'as plus de tank. Donc t'es obligé de concéder cet inhibiteur. Si tu essayes de défendre l'inhibiteur, tu vas tout simplement donner des kills et donner la game aux adversaires. Pff, t'attends la prochaine wave là, elle est juste là du côté des Dignitas. Pas de soucis, on a encore 15 secondes, 10 secondes pardon, avant le reste de Darshan. Donc là, c'est super compliqué. Someday qui se met bien devant justement. Ouais, bah, c'est une day là qui tente le monde entier, il n'y a pas de problème. Ça y est, la tour, c'est validé. Ça va être 28 heures avant 25 minutes de jeu, très certainement. CLG n'est pas en position pour fight, quoique attention. Darshan est up, il y a une ward hein, pour acquérir River, peut-être claquer un bon TP, peut-être. Non, on peut pas y aller. Il y a une wave au top. Regarde la wave au top qui est déjà toute prête. Oh là 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 là. On a de la rotation c'est à faire. Très très bien ce qui sort d'Ignitas aujourd'hui. Là, ça fait plaisir. Ça, ce sont les Dignitas que j'aime. Bah ouais, ça c'est du vrai niveau de jeu et ça, c'est savoir utiliser le power spike. On avait dit le very early est à l'avantage des CLG, notamment grâce à ce Graves, à cette botlane qui push un peu plus. Ensuite, fin de l'early game, j'avais annoncé que les CLG, que les Dignitas allaient être meilleurs. Et c'est au moment où ils sont revenus. Prophétie. Beaucoup trop chaudé. La prophétie, pardon. J'y croyais. Ah bah, il y a croit vu et il a bien vu. On l'a mis effectivement. QSS du côté de Lod et du coup là, la seule cible intéressante pour Laro. Bah ça va être X-Special, voilà. Mais il faut réussir à le toucher parce que X-Special est souvent en backlane. Là au niveau de l'inhibiteur, il fallait faire attention, c'est qu'il s'est mis entre tous ses alliés, ça aurait pu être un peu compliqué. Mais au même titre que quand t'es un Malzar, bah t'as pas le choix de focus cette Lulu finalement.
T'as pas le choix de la focus et là ça va être un peu la même chose, mais cette Lulu peut se placer derrière ses alliés. On récupère la T2 mine du côté d'Ignitas, on force le back des CLG qui est au niveau de la top lane. Il y a un dragon, mais ce dragon est boudé. Là où les deux premiers drakes ont été faits très rapidement, forcément des dragons infernaux, on les a enchaînés très vite. Bah là, le dragon des océans, à ce moment de la partie, il est complètement boudé, il n'a aucun intérêt. Ouais, on devrait récupérer le deuxième inhibiteur. Il y a la track de Chaser. Attention, tu es vu Chaser. Et c'est vrai qu'il reste encore un quart de Nashor en fait. Ils vont tellement vite Ignitas dans ce snowball. Ah bah là, ils perdent pas de temps. Chaser qui est sous track, je ne sais pas exactement pourquoi. Parce qu'il voit les adversaires, il est vu par la tour. Pour faire peser la menace d'un dive peut-être. Misclick peut-être, comme tout à l'heure X-Muse. Ouais, ou la menace d'un dive potentiellement. Je sais pas effectivement. Je dirais que là, tu vas comme des brutes. Enfin, t'envoies Someday qui fait un abordage sur la tour. Juste pour la finir rapidement. Après, même Someday se fait engager et c'est pas grave. Enfin, non, si, c'est grave parce que Chaser, effectivement, n'a plus l'ultimate. Je pense que là, la petite erreur de Chaser coûte beaucoup, oui et non, Dignitas. Mais ça fait que si un teamfight s'engage, Chaser, il va être quasiment inutile ici. Ça va être un souci, ça y est, la T3 qui est validée. Et l'inhibiteur qui devrait suivre normalement. Attention, cet abordage qui n'est pas passé. C'est honnêtement. Ils font ça de manière. C'est automatique. C'est académique, très trop. C'est académique, quoi, il y a. Rien à dire, c'est parfait. Et il y a la wave top maintenant. Paf, la wave qui arrive au niveau de la top lane. Ils ont plus qu'à faire la rotation. C'est bien, c'est propre comme jeu du côté d'Ignitas. Et je suis vraiment content de voir ça. Ça, c'est du beau jeu. Dans toute sa splendeur, si on a eu un port spike, on l'a utilisé. Maintenant, on fait un jeu propre. On ne prend pas de risque. Ok, il y a une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là. Juste des petits trucs qui sont sans importance. Chaser qui a récupéré son ultimate. Et là, on va pouvoir enchaîner. Et finalement, on va enchaîner à T2 top. Pendant ce temps-là, ça va push au mid et au bot, hein, notamment la bot lane. Oh, attention, ici, l'abordage qui touche. C'est compliqué pour ici, le flash qui a été claqué. Sunday, là, qui prend beaucoup de dégâts, qui va pouvoir se replacer à T2, qui est validé, ce qu'on pourrait varier en gauge. Attention, Lot qui blink in, Lot qui met beaucoup de dégâts. Le flash de kill. Le regard de la Médus sur deux joueurs. Et Dignitas qui score son 10e kill. Quel plays encore pour ce millénaire Dignitas. Et petit fun fact à la volée. NVS est en train de mettre 10k gold à TSM. Ouais, enfin EcoFox avait déjà mis 8k gold à je sais plus quel team et perdu quand même. Alors tu sais. Oui, c'est vrai. Après, ceci, TSM, voilà. TSM ont perdu face à EcoFox de 0. Non, hein, je tenais à le dire, c'était important quand même. Mais oui, non, mais c'est important, je suis d'accord. Je reste perplexe. De toute façon, les teams en NS, c'est le problème, c'est que même. Oh, attention, voilà, oui, attention, oui, le flash. Là. Non, ça va aller. Sunday qui tank, oui, qui est lock, oui, qui prend tellement de dégâts. Chaser, inarrêtable sur son Rengar qui va continuer la bolasse en forme de route. C'est bien fait. Darshan qui va dégager la fontaine, mais derrière qui se fait cleave par une Cassio qui bombarde de poison, de bombes nocives, c'est validé. Et ça va être la game avant même 30 minutes de jeu. Dignitas qui a déroulé, Dignitas qui a écrasé CLG et Dignitas qui régale. Souvenez-vous de la prophétie gardienne qui avait annoncé le 2-0 pour Dignitas. Je pense que c'est un 2-0. Eh bien, non, c'était très propre au niveau du jeu. Ils ont bien su utiliser les forces de leur compo au moment où leur compo était forte, justement. Et ça, c'est intéressant. C'est très bien parti après de la petite erreur de Dismissien hein, au moment où il a donné le kill. Bon, il a donné avec Special. Ça va, ça aurait pu être pire. Ouais, mais ça a surtout donné du temps de respiration à Chaser. Et à partir de là, Chaser est revenu en termes de level aussi, ce qui a pas mal compté. Ça a pas mal pesé dans la balance. Non, franchement, ça a très bien joué chez Dignitas. Bien servi aussi au niveau des dragons, il faut le reconnaître. Ouais. Parce que bon, le double infernal, il arrive pas souvent, mais il fait plaisir. Et puis quand t'as une Cassio pour les faire en plus, c'est bizance quoi. C'est génial. C'est génial. Même comme pour le Nashor, ça a été validé super vite. Honnêtement, une game. Explosif en début de partie, ça faisait plaisir de voir X-Missy dans un bon état de forme, parce que bah voilà, on en a déjà parlé pendant le pré-show, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais derrière ça joue bien. Il y a eu cette petite partie de stall, on va dire entre 8 et 15 minutes de jeu, qui était un peu molle, mais bah, ça après on l'a expliqué, il y avait que la duo lane sur laquelle ça pouvait bouger, et que des supports défensifs verrouillent ce genre de phase de jeu, et derrière il a fallu un catch. Une fois de plus initié par Chaser et par notre ami Kin qui régale, donc tout va bien pour Dignitas. Maintenant on va voir en game 2 si ça va être validé ou non, mais ça bien sûr c'est après une courte page de publicité. Rendez-vous dans 5 minutes, à tout de suite.
And we lost last time, so it's like that kind of kryptonite thing isn't exactly true. I mean, I guess my programming went a little bit haywire, but hopefully it's fixed now, and hopefully you do beat CLG this time. Oh, franchement, c'était un des témoignages les plus bouleversants que j'ai pu avoir dans ma vie de caster. XMZ qui a dit oh, ouais, on a perdu la dernière fois, bah, on espère gagner. Et pour l'instant, c'est bien parti. Gardboom, écoute, j'ai l'impression que ton aura jardante a apporté pour l'instant chance. Parce que j'ai beaucoup croivé dans cette équipe, j'avais annoncé le 2-0 et j'ai mis beaucoup de croivance dedans. Hey, on a vu, hein. D'ailleurs, les croivants du chat. D'ailleurs, vous pouvez voilà, montrer si vous croivez ou si vous croivez pas en CLG. Les votes sont ouverts et 100% pour Dignitas, bien évidemment. Attends, je vote votant. D'ailleurs Dignitas, moi. Voilà, mon vote a été fait. Je fais partie des trois votants. C'est chose faite. J'ai voté CLG. Après, la première game, du coup, le public avait voté plutôt CLG que Dignitas, effectivement. Ouais. Après, cette fois-ci, à 59%. Merci Rambo, du coup. Et regarde, là, pour l'instant, c'est pareil. Ouais, ça s'amuse. Hein. Après, ceci dit, cette fois-ci, important à prendre en compte, c'est-à-dire que les CLG vont bénéficier du red side. En fait, le red side est super intéressant puisque du coup, dès que tu prends la tourbot en early game, tu as le Drake qui est pour toi en fait complètement, puisque c'est complètement ouvert vers ta base, ouais. Etc. Et ça, c'est super intéressant. Là où tu avais dit justement que la duo lane des CLG était plus forte. Ouais, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, généralement, tu prends rarement la première tour et le dragon dans la même rotation, sinon ça veut dire que tu as complètement détruit ton adversaire en early. Pas dans la même rotation, mais du coup, quand tu fais ça, généralement, c'est que tu prends la tour et avant de swap lane, tu prends le Drake, généralement, pour ne pas le laisser forcément. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, pour CLG, ces conditions-là, quand même, qui sont peut-être un petit peu plus favorables à leur team en général. Maintenant, bon, ils ont montré une première game qui n'était pas vraiment ouf, malheureusement. Un début de game de XMissi qui était correct, tout à fait. Puis après, un moment où ils se sont fait snowball. En fait, il a beaucoup contrôlé la vision, XMissi. Après, il s'est fait tuer. Donc, ça, en fait, comment dire, ça détruit un petit peu le potentiel, quoi. Si tu mets des wards, mais que derrière, t'en fais rien. C'est bien de contrôler les déplacements adverses, mais finalement, ils n'ont pas réussi à prendre la mainmise sur cette early game. Et ils se sont fait reboot, les joueurs de CLG. Bon, on a vu un OUI un petit peu insuffisant, quoi. Parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour Keen, je pense pas que ce soit le meilleur mid laner nord-américain, même si, comme le dit Ellie, moi je l'aimais beaucoup à l'époque où il était chez Gravity. Et d'ailleurs, Ellie et moi, on kiffait beaucoup le joueur quand on aimait beaucoup les Gravity. D'ailleurs, tu regardes, tu vois, comment il s'appelle? C'est Akari Ade qui joue chez Phoenix One. Pas Phoenix One, je vais pas y arriver. Echo Fox? Non. Non. J'ai un vieux trou. J'ai un vieux trou, c'est un très bon carriadé, ça doit être le carriadé Altec. Voilà, il y avait Altec, etc. T'avais Hauser, Altec, t'avais Keen, et on aimait bien les Gravity, regarde, ils sont devenus très bons. Mais je pense pas que tu as genre ce soit genre un achievement majeur de tuer OUI en solo kill, tu vois. Il y a pire, hein, effectivement. Mais après, ils avaient un combo qui est intéressant au niveau 6, justement pour gêner cet Harry. Là où tu prends Harry, c'est normalement tu te dis je vais me déplacer tranquille. Et là, en fait, ça a été complètement bloqué, notamment via ses miasmes. Hein, ça a été un très très bon choix de la part de Keen depuis Cassiopeia. En first pick, on a le Rengar qui open cette fois-ci du côté des Dignitas. On va rester sur cette Lulu. La Lulu qui a fait un taf monstrueux avec spécial dans la game précédente. Il a soulevé sa team, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème dans les teamfights, et le teamfight gagné au niveau où ils font l'ace, où ils prennent le premier Drake, c'est ça qui retourne la game. Et c'est grâce à X-Special justement qui sauve Chaser. Au moment du bait, ça a été tout simplement monstrueux. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Expression dans la game précédente. Et s'il devait avoir un MVP, pour moi, ce serait lui. Dans le sens où les autres ont été bons, mais pas assez. En fait, je pense que ONA, tout le monde fait plein d'erreurs. Avoir des picks qui gomment les erreurs, c'est très fort. Et Lulu fait partie de ces picks-là. Moi, Zilean, tu mets Lulu, Zilean en ONA, je sais que mon top laner, il peut faire n'importe quoi, c'est très bien. Ouais, tu le mets à Aatrox entre les mains en top laner. En plus, d'ailleurs, la refonte d'Aatrox qui a l'air un petit peu naze à première vue, d'après ce que j'ai lu les retours sur Twitter, que j'ai pas testé au niveau du 7.5. Mais j'ai hâte d'ailleurs que le 7.5 ça a bien changé. Hein. C'est un peu un nouveau jeu. Hein. Ouais, mais j'ai hâte en même temps à ce patch là, parce que bon, bah le blanc. Alors, le blanc, ce qui est assez drôle, c'est que ça redevient un perso qui je dirais vachement skillé dans le sens où ton Z va te servir à dash et non plus à faire des dégâts. Ouais. Ce qui est pas mal. Et du coup, tu vas être obligé de placer tes chaînes et tes Q-spells pour gérer avec le passif, ce qui est super intéressant en fait. C'est-à-dire que là où t'as le blanc, bah, c'était je suis débile et je te dash sur la tronche, je te tue. Maintenant, c'est je dash à côté pour dodge des trucs, je place mes chaînes, ouais. Je repars, ça devient intelligent. Mais je sais pas, le problème, c'est que le Q-spell et les chaînes n'ont pas été suffisamment EP par rapport au nerf des dégâts du dash, quoi. Pour le blanc. Après, il n'y a pas eu de up des dégâts. Il y a eu des up au niveau du passif du Q-spell, ouais, c'est ça, sur les sbires. Donc tu wave clear bien, mais en fait, tu fais vraiment. Enfin, ça fait. Elle avait perdu 8% de win rate, quoi. Ouais, bah, c'est pas étonnant. En master, challenger tier, il a perdu 8% de win rate. C'est énorme, hein, 8% de win rate.
C'est pas étonnant finalement. Et du coup, on repart sur une draft identique du côté d'Ignitas. On change pas une équipe qui gagne, pourquoi pas hein. Je pense que le choix est tout à fait correct. Même s'il faut attention au fait d'être de l'autre côté. Afromu qui va être sur un trash cette fois-ci, donc un peu plus playmaker. Et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avant la première game, vous disiez que Afromu, bah, l'année dernière, une fois qu'il a dû jouer Karma, il était aux abonnés absents malheureusement. Et je le trouve bien, bien meilleur sur des picks bar trash, des choses comme ça. Darkshan sur Fiora. On essaye pour CLG, on va essayer de pouvoir créer. Non mais c'est très bien, mais que CLG, on est dans une méta qui a changé. Les tanks sont moins forts, mais que Darkshan se remette sur ses premiers amours, c'est absolument pas gênant. Le problème c'est qu'en face, c'est dur de détruire Sunday en lane. C'est difficile, c'est un laner qui est solide, surtout quand il joue des bruiseurs et des tanks. Mais là, pour moi, c'est bien qu'il joue ça. Ils ont en plus l'engage pour faire du pick-up avec ce Thresh, donc quand ils vont jouer en 4v5. Donc s'ils arrivent à faire du pick-up et que pendant ce temps-là, Darkshan détruit le split, ça devrait pouvoir le faire pour les CLG. Ouais, pour peu qu'il arrive, après, c'est tout le mal que je leur souhaite, je dirais. Bon, pour les CLG, quand t'es sur des picks de cœur comme ça, moi je pense notamment à la botlane. On parlait de la botlane qui est un peu plus forte. Et le problème, c'est que quand tu mets Afromu, que tu mets dans ses main karma, tu ne lui donnes pas la puissance nécessaire à carry cette botlane. Et ça, c'est un truc important. On banne le Aurelion Sol aussi de Oui, justement. On sent du côté d'Ignitas qu'en mettant les adversaires sur des picks de cœur, ça peut être dangereux. Du coup, l'Aurelion Sol de Oui, c'est une grosse menace. Tu as dit tout à l'heure 75% de win rate actuellement. Ouais. À niveau compétitif, c'est énorme, tout simplement. Du coup, on lui enlève. Et je pense que c'est se retirer une épine du pied. C'est un très très bon choix de Nitas ici. Parce que là, concrètement, Oui va devoir être potentiellement sur sa Orianna qui est correcte hein, en ce moment, quand même, qui est plutôt pas mal. Bon, 50% de win rate, c'est pas ouf, mais en même temps, ça fait quand même un taf une Orianna si une Shockwave est bien placée. Ouais, mais moi, je considère que c'est pas un pick refuge et c'est pas un pick poubelle. Tu prends Orianna quand t'es bon sur Orianna. Quand Faker prend Orianna, tu vois tout de suite la différence. Donc, je vois pas pourquoi. Les joueurs la prennent comme ça par défaut. Pour un pick par défaut qui wave clear, qui demande peu de skill et peu de vision de jeu, il y a Victor, il y a Cassio, qui sont toujours efficaces même quand tu auras tout mécaniquement. Donc pourquoi prendre Orianna qui demande énormément de vision de jeu? Ils sont peut-être plutôt chauds dessus, oui, je sais pas. La Harry qui a été ban d'ailleurs, donc cette fois-ci on annonce du côté d'Ignitas qu'on ne va sans doute pas jouer Cassiopeia, parce que sous l'intérêt de prendre Cassiopeia quand t'es face à Harry, bon, tu l'empêches de dash. Là finalement tu bannes Harry, donc c'est pour ouvrir un petit peu plus la mid lane peut-être pour Kin. Ils veulent la jouer en siège, ils veulent jouer full aggro sur les towers, mais avec une porte de sortie late game parce qu'il n'y a pas de Ziggs. Je vois bien les Ignitas jouer avec c'est étonnant quand même hein, de style que Stixage joue pas Jhin, mais je crois qu'il ne joue pas historiquement Jhin hein. J'ai pas souvenir l'avoir vu dessus Stixage, je crois. Je passe t'as les stats sous la main, mais je vais essayer de vérifier ça. Après, non, Stixé, j'en ai pas vraiment le souvenir. Attention, oh, Kin sur une Syndra. Alors là, du coup, oui, ce qu'il peut faire, c'est un Z. Parce que Z face à Syndra, c'est intéressant. C'est-à-dire que ton ultimate, quand elle s'est full dégâts, et t'as un Nautilus en face, avec une Lulu. T'es bien sur un mid lane avec Z. C'est vrai que j'avais pas pris en compte le reste. Prenez juste le match-up 1v1, c'est vrai que c'est un peu puant. Non. Mais tu sais pas la jouer! Non, il sait pas la jouer. Zaboudine. ça me chagrine parce que c'est pas un pick poubelle. C'est un pick qui demande beaucoup de vision de jeu, beaucoup de skill, une gestion de lane forte. Il faut un très très bon positionnement. Et bien sûr que tu peux l'utiliser à moindre niveau pour faire le strict minimum d'un pick défensif. Mais là, on voit que les CLG ils jouent pour pas perdre. Ils mettent tout sur Darkshan. Ils mettent sur un pick qui a pas vraiment d'ampleur. Et on dit bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour gagner la lane. Je suis pas d'accord avec cette mentalité là. Je pense que oui, il a mieux fait de jouer un pick qui carry, même s'il perd. Au moins pour tenter la chose, ouais. Après là c'est vrai que je suis pas vraiment fan dans l'idée où tu vas mettre une shockwave, bon t'as comme un gros tank en face, t'as la Lulu qui va pouvoir sauver quelqu'un qui est mal placé. Les Dignitas là pour moi je joue vraiment une compo qui a bien fonctionné la game précédente, cette fois-ci un petit peu plus agressive notamment au niveau de cette mid lane. Et j'aime beaucoup le fait de voir Kin sur Syndra parce que Syndra face à Orianna, je donnerai l'avantage à Syndra comme globalement qui a un petit peu moins de soucis de mana au niveau de la phase de lane qui peut mettre un burst plus conséquent. Parce que là concrètement quand tu prends Orianna c'est pour jouer un petit peu plus les teamfights que le 1v1. Là où finalement, bah, avec la Fiora, t'as pas vraiment envie de jouer teamfight, t'as envie de jouer plutôt au niveau du push. Je suis d'accord avec toi que le choix d'Orianna ici est pas forcément judicieux. Oui, bah, on reçoit du vote d'Ignitas. Le problème, c'est pas. Moi, j'ai pas de soucis fondamental avec le pick d'Orianna, que je trouve très bon dans la méta actuelle où les games sont très longues parce que les joueurs ont compris comment défendre et où la lane est très importante et où le wave clear est important. Le problème, c'est que. Quel levier pour Oui, il n'y a personne qui va jump dans la backlane, donc ça veut dire qu'il faut placer sa sphère de manière optimale. Sur la top lane, c'est pas pour faire un combo avec Fiora, tu vois, donc
Comment vont appréhender cette Oriana les CLG? Je ne sais pas trop. C'est juste pour un surplus de shield, peut-être pour que Stixey meure pas, mais bon, face au combo Kin Chaser avec Rengar et Syndra, je suis pas certain que ce soit suffisant. Dans ce cas, tu prends Azilian au pire, si tu veux que Darshan ne meure pas plutôt. Ouais, je sais pas, je suis pas fan. Je suis pas super fan non plus. Après, bon, une bonne Shockwave, ça peut évidemment retourner un fight. Est-ce que Oui va avoir le niveau pour? Il l'a déjà fait en fait. C'est le problème, c'est que Oui, j'ai vu sur plusieurs games d'Oriana, il y en a où il était vraiment chaud, il y en a d'autres où il était beaucoup moins bon. Et c'est un peu joué à pile ou face pour ça. Ça se tente, hein, gérer une fois que t'es dos au mur comme ça. Bon, après, le fait d'avoir Afromu, pour moi, c'est Afromu sur son Thresh qui va pouvoir changer la game, qui va pouvoir être complètement game breaker. Parce que là, il est sur un pic avec lequel son shot call peut être intéressant parce qu'il va amener les moves à sa team. C'est pas juste, écoutez les gars, faites ça, c'est je vous l'amène, maintenant butez-le. Ouais, exactement. Bon, les starters. Donc, on part à la Corruption Pot pour Someday. Regen contre Sessura, Darshan normal part avec l'épée de Doran. Sur la mid lane, pour l'instant, c'est even. Et les bots hein, pour Lod. Ouais, ça se voit beaucoup sur Regen maintenant, en fait, pour aller mettre le quatrième shot un peu plus facilement. Bon, c'est pas un mauvais choix forcément. On va essayer de cancel un petit peu au cas où il y a une invade de la team adverse. Et finalement, on va aller faire le buff tranquillement. On commence du côté des Corbins pour X-Missy. Et ça va être classique. La même chose pour Chaser. Classique. C'est devenu le camp de base. Ah, oh, c'est. En fait, tu switch level très tellement rapidement. Par contre, il commence pas dans le bush pour avoir un stack de plus. Bon, c'est tout bête, hein, mais le stack de plus qui aide beaucoup Rengar au niveau du clean, justement. Ici, il aurait déjà eu 4 stacks. Ouais. Ouais, Rengar clear tellement vite que c'est pas trop grave. Bon, Lod X Special, ça va beaucoup jouer hein, sur la capacité d'Afromu, justement. À sortir des hooks. Lod, il n'y a pas une force de trade énorme. Hein. Le start bot étant vraiment prévu pour le farm. Ouais, ça va être une botlane un peu longue. Après, l'avantage ici pour moi, ça va être d'avoir X Special qui va vraiment compenser le manque de push d'un Jhin. Là où Kate, normalement, va essayer de full push. Et je dirais qu'en very early game, du coup, le combo de Jhin plus Lulu push plus que Caitlyn. Parce que finalement, Thresh va pas t'aider énormément à ah, ça. Oui, le fauchage est un peu compliqué à placer. Et la grenade dans son qui permet de. Quasiment, carrément moins de mana qu'un piltover. Donc en early, pour moi, il n'y a pas vraiment photo en effet, Yardoum. Chaser qui fait un clean un petit peu long. Donc X-Missy qui a fait exactement pareil que tout à l'heure. Il part voler le buff adverse, pas de soucis là-dessus. L'attention d'Archan ici qui va aller un petit peu s'empaler sur Someday. Mais voilà, le taf de la ferveur est fait. Hein. La ferveur, c'est assez énorme à ce niveau-là. Vu que tu chopes 2 stacks, avec Fleur, tu mets un Q-spell auto-attaque E, t'es déjà à 6 stacks. Ouais. Et du coup, t'as un boost d'AD qui est monstrueux. On rappelle qu'il y a 8 stacks la ferveur quand t'es niveau 9. Je crois que c'est 35 AD, quelque chose comme ça. Niveau 1, c'est 1 d'AD par stack. C'est que c'est léger, quoique. Du coup, une fois que t'as tes 8 stacks, t'as 10% d'AD en plus quand même. Ouais, non, c'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Après, bon, niveau 1, t'as pas tes 3 sorts, donc tu peux pas faire ça. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Bah, t'as des trades longs qui sont avec Fiora quand tu vas vraiment chercher niveau 1 avec les points vitaux. Mais... Généralement, à moins que l'adversaire veuille vraiment jouer le all-in sur une Fiora, tu peux le faire parce que Fiora, c'est pas son spike. Fiora, elle a plusieurs spikes, elle en a un au niveau 3. Parce qu'elle peut, elle peut te dash dessus, elle peut contrer ton sort clé, puis une fois que t'es ralenti, aller chercher son stéroïde sur un deuxième point faible, ce qui généralement te met très très mal dans ta lane. Et bien évidemment ensuite il y a le niveau 6 hein, qui généralement termine avec tout et n'importe quoi. Le niveau 6 tu peux aller du coup avec 5 points vitaux au total finalement. En comptant le premier juste avant quand tu fais ton dash pour avoir le bonus, et après tu places ton R pour récupérer un autre bonus. Toujours très intéressant. Fiora, pour moi, c'est un des persos qui a un des meilleurs designs du jeu actuellement, puisque ça tient tous les match-ups. Et si tu es très bon, tu peux détruire tous les match-ups. Tu peux même faire du 1v2. Ça dépend, voilà, ça dépend vraiment de tes mécaniques. À promo ici, le grab qui passe pas mal. C'est parfaitement joué sur X-Special, le burst sur X-Special, c'est le first blood pour X-Missy. En ce temps, sur la mid lane, les dégâts sont énormes. C'est Oui qui va faire les frais des dégâts de Kin. Ça fait un partout, mais le first blood reviendra à X-Missy. À promo sur un Thresh, bien évidemment. C'est ce qu'on attendait de sa part et c'est quelque chose, voilà, il nous montre un petit peu justement ses capacités. Et là c'est intéressant, c'est qu'on n'a plus du tout de flash du côté de X-Special, on n'a plus de heal du côté de Lod. Et au niveau de la mid lane et de la jungle de Dignitas, on n'a plus de smaller spell du tout. Ouais. Ce qui enlève déjà une grande phase de Dignitas. Pourtant réussir à faire un kill avec un Rengar si tôt dans la game, c'est pas si simple. On est déjà niveau 5 à 4040 et on conteste les corbins adverses là où les siens ont repop. Du coup la Chaser, ils peuvent avoir un avantage d'XP qui est énorme. Il vient de prendre le niveau 5, il a ses corbins à les récupérer qui vont mettre niveau 5 ennemis. C'est plutôt extrêmement bon à ce moment de la partie pour un Rengar. Ouais, surtout que bah, c'est un des rares moments où Graves peut tomber dans ses trades. Si c'est surprendre par un Rengar, après il y a le back.
Il n'y a rien à faire là pour X-Missy. Il peut cancel le back de Sunday, ça laisserait un peu de temps à cette Fiora. Voilà, c'est chose faite. Il peut même aller le ralentir avec son red buff. L'abordage de Sunday pour se mettre à l'abri. Et là, on ne va pas sûrement partir au Krug. Hein. Pour X-Missy, il a besoin d'XP le jungler des CLG. Ah, c'est pas mal ici. Chaser. En plus, il a été vu avant de venir mid. Il a été vu, il passe directement sur une ward. Mais voilà, c'est bien mis en place de la part de Kin. Oui, qui ne recule pas du tout. Enfin... Ah, bim. Ouais. Alors, ouais. Oui, vraiment, qui fait une erreur assez incroyable. Quoi. Il voit le Rengar, il va pas ward, il va pas prendre la vision, il va pas mettre sa boule dans le bush. Il se fait surprendre à ce point-là. Bon, après, il faut profiter des erreurs adverses. Hein, c'est aussi ça, être bon. C'est avoir joué avec le problème adverse. Premier dragon, cette fois-ci, on est sur un dragon des nuages. Pas comme la game précédente, du coup, dragon beaucoup moins snowbally. Même si, finalement, pour Edingtas, le dragon des nuages est excellent sur Rengar, notamment. Ça fait partie des seuls personnages sur qui c'est vraiment utile. Bah, t'as lui, t'as Twitch et Shaco. Globalement, les persos qui ont un camouflage comme ça, un peu. Où ton but, c'est de traverser la plus grande portion de map possible pendant que t'es invisible. Ouais. Twitch. Perso disparu. Attention, Darshan à niveau 6, comme il n'y a pas encore niveau 6 sur Sumday, ça vient d'être récupéré. Sumday là, il est. Théoriquement, en fait, tu peux pas trop mourir contre une Fiora parce que. En fait, le simple temps qu'elle mette la parade sur la grenade, t'as le temps de partir avec un abordage, théoriquement. À moins que tu sois au milieu de tes sbires, t'es pas censé à ce niveau-là te mettre au milieu de tes sbires dans un train. Je me réserve ça personnellement pour mon niveau de Silver. Je ne pense pas que Sumday fera ce genre de mauvais move. De chance, on part sur le back lever en premier item du côté de Darshan. Du coup, on va pas jouer le push. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où le Nautilus va te full push et du coup, tu pars déjà. C'est-à-dire, tu te dis, je veux jouer le 1v1, tu pars sur le back lever. Mais oh, l'arrivée de Sumday sur la mid lane, Chaser aussi. On a la track. Oui, il va prendre très très cher. La grenade ASM qui va passer. La Shock of King ne suffira pas, malheureusement, le déferlement de puissance de King qui va lui permettre de récupérer le kill ici. C'est une Kikis. Voilà, le Nautilus niveau 6 qui vient mid. Ouais, c'est très très fort ça. Hein. Parce que tu peux. Et puis en plus, il joue Orianna et c'est là où, tu vois, en plus, une Orianna heal, enfin, je suis presque heureux, plus que content, je suis heureux, Gardoum, je suis épanoui de voir un manque d'ambition comme ça pénalisé du côté des Dignitas. Mais puis, du coup, pourquoi le heal et pas la barrière? La barrière, je trouve, c'est un sort qui est vachement intéressant dans l'idée où t'es face à un match bursty comme ça. Enfin, peut-être un petit peu mieux que le heal d'ailleurs, parce que le heal va être contesté par le Morellonomicon finalement. Je le claque un peu trop tard. Ignite, le Morellonomicon, là il n'y a pas d'ignite chez les Dignitas, mais en effet, le rappel mortel, je trouve que c'est pas un sort d'invocateur utile, c'est pas utile d'en avoir deux. Non, et, c'est ça, t'as un sort carriadé qui est super intéressant, et puis barrière, je trouve que c'est un sort qui est pas assez utilisé, qui là, dans des conditions comme ça de match-up où tu étais Orianna face à Syndra, la barrière est super intéressante, la cleanse en fait est pas intéressante, parce que dès que tu te prends le stun, de toute façon t'es mort juste après. Ouais. Il te faut des HP virtuels. Du coup, ça va peut-être bien, mais bon. Pourquoi pas 2-0 sur une Syndra. Syndra qui peut snowball énormément cette mid lane. Et là, oui, en fait, s'il veut éviter de mourir encore, il n'a pas le choix de prendre énormément d'armure, donc un Négatron dès maintenant quasiment. Là, oui, Restance Magique, tu veux dire? Oui, bah, Négatron. Oui, pardon. Non, mais pas de soucis. C'est, oui, en effet, bah, là, et là, il part. C'est le souci. T'es sur un pic qui est déjà nul en mid game. Parce que bah, Orianna, c'est hyper, hyper faible en termes de mage en mid lane. Il y a assez peu de mages qu'on. Peu de power spike comme ça, parce que ses dégâts de base en fait sont. C'est fort en early parce que c'est le passif en early a une grosse part des dégâts avec les auto-attaques. Par contre, elle a de bons ratios mais de mauvais dégâts de base, donc tu es obligé d'avoir beaucoup d'AP et beaucoup de pénétration pour faire mal. Et c'est en late qu'elle s'illustre le mieux. Là où d'autres personnages ont des très très bons dégâts de base, notamment Syndra, même si elle a pris des nerfs. Leblanc aussi en 7.4. Et donc Orianna, là si elle ralentit son optimisation. Elle va être utile dans 2 ans, quoi. Fromou complètement raté. Fromou, il peut pas rater ça, là. Oh, surtout qu'il donne le summer spell. Chaser ici qui sous-track. Chaser qui va aller sur Will, les dégâts sont énormes. La shockwave sur King qui va lui permettre de le repousser. Mais attention, Chaser, est-ce qu'il peut arriver à porter? Non. On n'arrivera pas à porter, on va pas tenter le fight jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de backup assez loin. C'est-à-dire qu'il va. X-Special. Oh non. X-Special. Pourquoi? Un très très grand support. X-Special. Enfin, je me dis, tu vois, Chaser, lui, il aurait pu faire un flashing dans le bush, sauter sur les mecs, mais il serait mort. Il se dit, j'y vais pas en V3, j'ai pas de backup. Et là, t'as X-Special qui s'enjoint Nira, lui, il va de nature. Non, mais c'est. C'est. Pourquoi pas. C'est X-Special. Il vient de nous faire une. Ça, c'est du decision making, il y a la Kiwi Kid. Hein. Bah, tu sais pas pourquoi. Ouais, bah voilà, il y a. Non, mais il y a un héritage. Waouh. Ah, c'est. Ok, ça fait mal. Attention, Chaser ici. Bon, les bolas, il y a pas moyen de faire quoi que ce soit.
Au niveau de cette top lane, on a quand même une belle avance de farm pour Darshan et je suis un peu surpris en fait. Je pensais que Darshan allait un peu concéder sa lane parce qu'il prenait pas de Tiamat au niveau du poche et du coup que Someday allait lui mettre la misère au niveau poche, mais que ce dernier allait jouer le 1v1. Mais finalement, non, ça passe bien la grenade ASM ici. Darshan qui ne peut pas claquer la riposte encore, il est obligé d'attendre. Il est obligé d'attendre et c'est bien géré. Finalement, il avait même plus la mana requise. Mais ça ne passe pas du côté d'Ignitas. On force le flash de Darshan, mais il y a la téléportation qui revient bientôt. Du coup, là, le back n'est pas trop punitif. Non, non, ça va. C'était très très bien géré par Darshan. Mais Darshan, voilà, c'est aussi une de ses forces. Regarde, il met quand même 10 13 creeps à son adversaire là. Pourquoi il prend le Tiamat? C'est parce qu'il sent qu'avec ses deux Doran Ring, eh bien, Someday a une grosse force de push avec ses répliques sismiques. Donc, on va prendre le Tiamat pour contenir justement la force de push de Someday. Et pourquoi aussi on a besoin de push? Parce que c'est justement, il vient de voir qu'il y avait beaucoup de décalage de la mid lane vers la top lane. Donc, il faut éviter de se retrouver avec une vague de sbires sous sa tour. Donc, il faut toujours avoir un minimum de sbires en train de se faire appeler sous la tour pour pas se faire tower dive. Et ça, il va pouvoir le contrôler grâce à son Tiamat, le top laner des CLG. Il va être bien Darshan, il va rentrer dans un temps de jeu qui peut être plutôt intéressant pour lui. Et après on va terminer le Black Cleaver bien évidemment pour essayer de gérer Someday. 20 CS d'avance au niveau de la mid lane pour King qui se met super bien et qui attend. Il attend patiemment sa proie. Parce que là King, n'importe qui passe, il se fait complètement exploser. Et Orianna en fait c'est là où tu dis en mid game en effet c'est pas ouf du tout. Et l'Orianna qui arrive à gagner leur phase de lane, c'est pour ça qu'elle part sur Morello Numicon et juste après le Luden. Et finalement les dégâts portés par le Luden compensent ça. Mais il faut gagner sa phase de lane. Bah en fait c'est exactement le même pas profil que... Il y a deux champions qui ont exactement le même profil, c'est Caitlyn et Orianna. Là, fruit du hasard, elles sont les deux dans la même game. Mais tu as ce problème avec Caitlyn que tu n'as pas d'AS naturel. Donc tu es obligé d'avoir beaucoup d'optimisation pour avoir le DPS d'un carry à des standards. Même avec le Hurricane qui te permet d'avoir ton passif plus souvent. Parce que généralement en teamfight, tu n'as pas souvent trois joueurs parfaitement collés comme des sbires et tu ne fightes pas toujours mieux des sbires pour avoir ton passif. Et c'est là où il faut le hiverne qui te met un buisson. Ouais. Et c'est le souci, c'est que là, oui, il gagne pas sa phase de lane. Donc t'as un champion qui est pas bon en mid game, qui va avoir en fait un power spike quasiment au moment où la game sera terminée. Et ça pose de gros soucis. C'est pas très bon, Chaser, la track justement, on a l'arrivée de King ici. On concède un dragon des nuages, c'est pas grave, on les sent de toute façon moins chaud sur ces Drake Lightning Tas. Ça a été vu pour Chaser, attention, on se retrouve un V3 tout de même, il y a le trap. On a le rugissement amélioré pour s'échapper. Bon, on a concédé une track. Limite la track il aurait pu la garder puisque ce dragon là c'est pas ultra important, même si on l'a dit hein, sur Rengar c'est peut-être un personnage qui en bénéficie le mieux sans que ça reste incroyable. On a bientôt la Sunfire qui va être terminée du côté de Someday, ça va lui faire du bien pour compenser un petit peu le push qui va être pris par Darshan maintenant. Et c'est aussi une des grandes forces de Fiora en fait, c'est que Fiora on rappelle donc il y a le Tiamat qui a de la push parce qu'elle a aucune force de push naturelle la Fiora, mais elle a des coups en mana assez faibles et ce qui fait qu'entre tes autres attaques et tes Q spells enchaînés, ouais, tu peux avoir un push de lane qui est très fort sans que ça influence ta barre de mana. Tu perds de la mana quand tu essaies de faire des combos avec ta riposte et avec ton E. Hop là, directement la shockwave sur Kin, on a voulu se prémunir, mais les CLG ne sont pas en mesure d'aller déranger les Dignitas. Par contre, hein, bien évidemment, les CLG en very late game, ils ont une super compo parce qu'ils vont gagner le speed push quoi qu'il advienne vu qu'ils ont une Fiora. Et ils ont 4 joueurs dont 2 ultra carry. Par contre, ils n'ont pas de frontline. C'est pas comme s'ils avaient un... Il n'y a pas beaucoup de tanks actuellement qui sont joués dans la jungle. Il n'y a pas grand chose et leur seul frontline entre guillemets, ça va être tout simplement les ralentissements mis par l'ultimate Apromou. Et sur ces ralentissements, ils vont devoir jouer en kiting avec la vitesse de déplacement apportée par Oui, ou le ralentissement qu'il va faire aux adversaires, et bien évidemment Stixé qui va devoir se débrouiller avec ça. Concrètement, ça va être ça, c'est-à-dire que leurs teamfights ne vont pas se jouer en mode écoutez les gars, on est en mode tourelle, il va falloir absolument reculer et réussir à mettre des dégâts avec cette Orianna et cette Caitlyn en kiting. Ah mais le kiting il va être difficile hein, parce qu'avec la grenade, la Lulu en plus pour Syndra et surtout pour Chaser. Et ça y est, on active le swap lane. Le speed touche. Ouais, c'est swap lane donc c'est une guerre et ça va être pour les CLG, first blood de tour. C'est très marrant parce qu'on retrouve vraiment, quoi qu'il advienne compétitivement, quelles que soient les solutions, on retombe toujours sur des optimisations qui sont pacifistes. Bah ouais, tu récupères des golds et t'enchaînes ensuite. Il y a le push qui continue du côté des CLG bien évidemment au niveau de la top lane pour Darshan. Mais Someday est présent pour contester un petit peu ce push. Pareil au niveau de la bot lane, c'est Stixé qui va être là. Et du coup on se retrouve finalement les lanes jumelles, les lanes rivales bien évidemment. Les unes face aux autres. Au niveau de cette mid lane, le Morello Numicon qui va être bientôt terminé de la part de King. Et moi j'ai un problème avec ce heal sur Oui. C'est-à-dire que tu te retrouves face à un adversaire qui va prendre soit Ignite soit Morello Numicon. Et du coup qui va te nullifier complètement l'intérêt de ton spell. C'est un choix un peu discutable ici. Mais bon, du coup, la pickaxe qui a été faite du côté de Darshan qui va choisir plutôt que de partir sur le Black Cleaver, de partir tout simplement sur l'Hydrovorace très rapidement. Ouais, bah tenir pour le sustain, push pendant 10 ans. Tu peux tenir le push pendant 10 ans, puis dans les trades, ça reste
très intéressant d'avoir un petit peu de régène. Et pour l'instant, eh bien, une game qui va commencer à s'ouvrir, dans le sens où on va arriver en mid-game, donc le Power Spike d'Ignitas va arriver avant celui de CLG. Par contre, CLG va mettre en place son split push down pour casser ce Power Spike d'Ignitas, et ça va être donc celui qui fait le meilleur téléport. A priori, Someday est quand même un expert dans ce registre-là, donc il pourrait débloquer des bonnes situations. Ouais, et puis de toute façon, Someday, en plus, il a l'avantage de... Enfin, un TP, tu rates moins un TP avec un Nautilus qu'avec une Poppy. Là où Poppy, en fait, c'est compliqué de placer un bon TP flank, il faut arriver au bon moment pour faire un tampon. Avec un Nautilus, typiquement, tu fais un TP, tu arriveras normalement à placer un R, un Q-Spell. Si t'arrives pas à placer un contrôle avec Nautilus, faut absolument changer de jeu. Hein. Ou alors t'acheter une souris ou allumer ton écran. Enfin, il faut faire quelque chose parce que, enfin, il suffit d'auto-attaque, tu cliques sur un champion et tu lui mets un stun. Donc. C'est compliqué parfois. Je crois que c'était tout avec toi que j'avais cassé l'année dernière une game des Dignitas où ils avaient Twitch et il leur suffisait de push les tours adverses et le Twitch n'a jamais pressé. C'était magnifique. C'est Lod. C'est Lod qui jouait, c'est Energy. C'était bien ça, Energy l'an dernier. Je crois que c'était ça. Ellie, ouais. Tu te souviens, c'était chez Energy. Et je me souviens de cette game où c'était ouf, c'est-à-dire qu'ils avaient un Twitch. Je crois que c'était Lod. Press R pour avoir la range et tapé les tours. Et ils l'ont jamais fait, ils ont perdu la game. Je sais pas si c'était Lod ou OQ. OQ était pas chez Renegade. Non, je vais te dire. C'est plus compliqué. Tous ces joueurs de malheureusement les joueurs de bas de tableau, ils viennent un peu partout. Et tu dis que ces joueurs de bas de tableau font quand même partie des meilleurs joueurs qui existent dans le monde globalement. Attention que Chaser, quelques dégâts par XP ici et on s'échappe avec la jolie lanterne. Prochain dragon qui pop dans 1 minute 30, un dragon des océans qui ici va être un petit peu plus intéressant du coup. Forcément parce que vu qu'on a essayé de jouer des phases de siège pour les CLG, ça peut être intéressant pour Ignitas si ils en profitent pas énormément de le deny aux adversaires surtout. Ça va toujours être un très bon choix. Et au niveau de cette top lane, malheureusement, Someday, le push va être de plus en plus difficile à gérer face à Darshan. Et les Dignitas vont devoir absolument moins essayer de forcer les fights. Ah, les Dignitas, ils vont forcément faire un TP au niveau du dragon. De toute façon, c'est le baron Nashor, de toute façon, qui va tout décider. Hein. On est dans une game nord-américaine. Et donc, c'était. C'était Lod, c'est bien ça. C'était Lod. Non, c'était OQ, c'est ça. OQ, c'était OQ et Kiwiki de chez NRG. Et OQ, donc ils avaient les trois dragons de la montagne, plus le dragon ancestral, avec un Twitch. Et ils avaient juste tapé sur R et auto-attaque, et ils n'ont jamais gagné cette game. C'était magnifique. Ah, je m'en souviens de cette game. C'était un des trucs les plus puants, je crois, que j'ai vu. De toute ma vie. Depuis que je caste. Alors après, je caste pas depuis très longtemps, hein, mais pourtant j'ai casté beaucoup la NA, donc bon, des trucs du genre, j'en ai vu plein. Et non, c'est assez incroyable de voir ça. Quelque chose d'exceptionnel. Mais bon. On peut pas s'appeler NRG et puis être bon à la fois. Compliqué, attention, une tasse ici, on n'est pas vu et on va être vu par cette Warded là, malheureusement. Il y a la vision qui a été prise et cette Lulu, bon, 0-2-0 pour X-Special, hein. Pour l'instant c'est pas la game de tout à l'heure. On a un Jin qui va commencer à faire très mal, le Draktar qui va être bientôt terminé. Une fois que le Draktar sera fini, les dégâts vont être tout autres. Bien évidemment, on rappelle que le Draktar a un petit passif avec les dégâts bruts et bien évidemment le ratio de 200% de létalité. Ouais, je suis pas un grand fan d'ailleurs de la manière dont tu l'es construit, puisque je pense que ça devrait être un activable le Draktar pour que tu puisses choisir un peu à quel moment tu l'appliques. Parce que parfois, tu as un temps qui te focus, tu es obligé de l'auto-attaque au moins une fois. Tu vois, c'est un peu relou, moi je trouve le Draktar. Attention, on aura justement rappel de rideau, Stixey, et ça va être le kill. Stixey qui ne peut strictement rien faire. Par contre, l'arrivée de Darshan, on va réussir rapide, c'est très très difficile face à une Lulu. Darshan qui va mettre la parade, mais il va finir par tomber sous les dégâts de Lod. L'arrivée de X-Missy dans le pack X-Special qui va réussir à s'extirper, mais rien sur le côté, c'est Kilt qui va mettre un maximum de burst. La shockwave de oui, mais ne suffira pas à venir chercher les joueurs d'Initas. Le flash in du côté de Kilt, c'est le triple kill pour le midliner d'Initas qui vont détruire les CLG. Pourquoi prendre un fight avec un TP quand t'as une Fiora qui a un speed push et surtout Gardoum, une Orianna qui est aux fraises en termes de dégâts. Bah malheureusement, ils ont voulu tenter le move, mais ils ont tenté beaucoup trop tôt. Il leur fallait encore 20 minutes quasiment avant de tenter ça. C'est exactement la game précédente, c'est-à-dire que les Dignitas, à un moment, vont réussir à prendre un fight, ou les CLG vont offrir un fight aux Dignitas, il y a Ace, il y a le dragon, c'est le schéma, il est identique, à partir de ce moment-là, Dignitas vont snowball la game, et GG wellplay. Là, la shockwave est pas mauvaise hein, du côté de Will, la shockwave est même très bonne à la base, mais comme le fight doit pas être pris, il a pas les dégâts requis sur cette shockwave. C'est ça, c'est juste qu'en fait, il a pas les dégâts. Après, si jamais tu mets deux items de plus, il casse complètement le jeu. Hein. C'est game over pour les Dignitas hein, sur ce genre de move, mais ils le savent. Et là, X-Special qui n'hésite pas à lâcher l'ulti pour vraiment sécuriser le kill. Mais le problème, voilà, c'est que c'est très très difficile d'aller au bout avec Fiora dans ce genre de situation. Le taf de la Lulu. Lod survit uniquement grâce au taf de X-Special. Après, bon, c'est là pour ça, Lulu, effectivement. C'est là pour te protéger. Là, oui, ça choque. Y'a pas de soucis. C'est très bien. C'est très bien, mais t'as Someday qui tank beaucoup trop.
et le petit flash-in final de la part de Keane. Et voilà, game plié, bien évidemment, enfin plié, pas encore, hein, certes. Prochain dragon, c'est un infernal, histoire de repartir dans le même chemin. On est loin de la victoire de Dignitas tout de même, mais on va dire qu'ils ont mis en marche leur compo qui est plus efficace sur un tempo où CLG n'aurait pas dû fight. Et ça, ça va leur ouvrir des possibilités, notamment voilà, le fait de la récupération d'une T2 leur permet d'aller se focus sur cette top lane, donc de récupérer une tour supplémentaire. Attention, Kim ici c'est compliqué, les dégâts sont pas suffisants pour tuer la promo. Très bon Vlad à part les CLG qui viennent prendre le shutdown. On était à 5-0 du côté de Keen. Point intéressant, c'est que Keen il a deux pink wards dans son stuff. On a deux pink wards du côté de Chaser et deux pink wards du côté de X-Special aussi. Et au niveau du stuff, on part sur le même build hein, entre Keen et Oui. Sauf que Keen a déjà fini son Luden, là où Oui il a à peine son je sais même plus le nom de l'item, Aether Wisp. Quoi, Aether Wisp? Aether Wisp, l'item pour faire le Luden qu'il a dans les mains, Oui. Oui, c'est le. C'est l'écho. J'ai plus le nom en français, mais c'est l'Aether Wisp pour faire l'écho de Luden après. Feu follet éthéré. Merci, Eddie. Merci beaucoup. Oh, attention, Lot, il prend un premier kill. C'est le baron Machor. C'est le baron des NA. Heureusement, les trapped. Chaser qui va courir. Chaser sur X-Missy. X-Missy qui va dash out pour essayer de sortir des griffes de ce Rengar derrière. Il n'y aura pas de follow-up pour les Dignitas. Les CLG sont à l'abri. Mais ils ont encore une fois joué avec le feu. Face aux Dignitas sur un moment où ils n'ont pas le power spike, encore une fois, Gardoum. Bah, ils essayent encore une fois, ils veulent forcer les moves absolument. C'est ça qui est dommage en fait du côté des CLG, c'est qu'ils n'arrivent pas à se dire écoutez les gars, on tente pour la game, on perd les T1, on s'en fout en fait. On n'est pas là pour gagner les T1, on est là pour gagner après, une fois qu'on aura défendu les T2 à partir de 30-35 minutes de jeu. Et le problème c'est que de forcer les moves comme ça, ils vont creuser l'écart de gold à l'avantage des Dignitas, et il y aura un écart tellement énorme en fait qu'ils ne pourront pas revenir dans la game. Bah ouais, c'est le problème. C'est comment reculer ta date. Comment dire, reculer ta date de péremption de telle sorte à ce que tu ne pourrisses jamais. Et bah c'est l'écart gold qui te permet ça. C'est de ne jamais en fait te retrouver au moment où le power spike adverse arrive. Ça c'est possible. Stix est bien évidemment qui sera la porte de sortie des Counter Logic Gaming dans cette game. Le problème c'est que les CLG n'ont rien. Ils n'ont pas vraiment les kills. Ils n'ont pas les tours, ils n'ont pas l'avantage gold, même s'ils ont un excellentissime farm. On le voit, 220 creep contre 186 au niveau des ADC, par exemple. Ils ont bien évidemment ce top laner, mais pour l'instant, ils courent contre la montre et les Dignitas ont la possibilité d'aller terminer cette game avant que les CLG n'aient leur mot à dire. Ouais, là ça va être compliqué, hein, parce que game précédente, pareil, Dignitas, ils ont été prendre la vision au niveau du baron. Je trouve que les Dignitas ce soir font une prestation qui est tout à fait correcte en fait en termes de rigueur au niveau des prises de Nashor. C'est-à-dire on prend la vision, on fait extrêmement attention que les adversaires ne puissent pas venir contest avant de tenter quoi que ce soit. Et c'est extrêmement intéressant le jeu des Dignitas. C'est bien fait, c'est macro, c'est propre. Le point compliqué en fait, c'est que cette Caitlyn, normalement, t'aimes bien en tant que Caitlyn avoir une grosse frontline pour être en mode tourelle. Là, il n'y a pas du tout cet aspect tourelle et c'est un petit peu dommage. Donc, comme je disais, on va faire essayer de jouer en kiting face à une Lulu, etc. Ça va être un petit peu hard. Alors que si t'as vu, je sais pas, peut-être même un Hivern à la place de X-Missy, tu avais une Fiora que tu pars un petit peu tanky, t'as une Fiora qui fait full life team. Ou Rek'Sai, un truc comme ça quoi. Un truc où la Caitlyn peut se dire écoutez les gars, je fais clic droit, c'est mon moment. Après, ce que j'aime bien avec Hivern en fait, c'est que dans l'idée, bah t'as les buissons. Et les buissons avec Caitlyn avec en plus un Runan Hurricane, t'es super bien, c'est que tu passes ta vie à mettre des headshots. Ouais, c'est le gros avantage. Hein. Mais bon, c'est quand même tout basé là-dessus. C'est toujours un petit peu dangereux, puis surtout top des buissons pour Chaser. Le rappel de rideau sur Stix, c'est 1, c'est 2. On veut juste créer de la distance entre les CLG et 7 tours. On veut juste récupérer l'édifice. On a compris qu'on avait besoin d'un avantage de gold du côté d'Initas. Ça fait 4 tours à 1 Gardoum sur une phase de jeu simple. Un ulti pour une tour, c'est exactement le genre de ratio qu'on veut. C'est ultra war, surtout que là, en plus, ils vont pouvoir se mettre en place pour sécuriser le dragon infernal qui pop dans 1 minute 30. Et on voit normalement, c'est en train de décaler au niveau du support. Hein, X-Special et King qui vont bouger. Et là, la vision va être à prendre à ce niveau-là. On a zéro vision pour aucune des deux teams sur ce Drake. Et c'est le moment, normalement, où tu commences à prendre la vision. D'ici 20 secondes, 15-20 secondes, tu prends en théorie le carapateur quand tu peux, quand tu as des alliés. Comme ça, tu as la vitesse de déplacement. En plus, si un fight s'engage. Mais t'as le baron à la fois à ce moment de la partie. Enfin, ce serait dommage de concéder ce Drake là où tu peux le prendre. Les Dignitas là actuellement ils sont très forts. C'est un objectif qui est complètement gratuit pour eux. Ils peuvent aller l'attaquer. Après les CLG ils ont une compo qui peut aller très très vite aussi au niveau du baron. Avec ce Graves. En fait vu qu'il n'y a pas de tank, il y a énormément de dégâts. Donc il faut être vigilant, faut juste bien prendre l'information. Sinon ce que tu fais c'est que tu prends le carapateur top, puis tu prends le carapateur bot. Et comme ça t'as le contrôle des deux endroits. Plus simple bien évidemment.
Après, c'est vrai que du côté des Celtics, on est pas mal, c'est qu'on peut aller faire un Ashore tout simplement en passant de l'autre côté du mur. T'as tout le monde qui a un dash quasiment, t'envoies Oui limite, il fait le tour et tu laisses Afromu de l'autre côté du mur. Chacun Darshan, Xmissi et Stixé pourront dash de l'autre côté du mur facilement. Et pour Oui, tu mets la petite lanterne sans problème. On va se placer autour du dragon normalement pour les Dignitas, on commence à s'approcher de l'objectif. On a une ward de contrôle au niveau du baron, mais on a que la ward de contrôle et le carapateur n'a pas été fait. Ouais. Donc ça va carapater du côté des CLG. Bon alors ce dragon, ce fameux dragon dont tu nous parles, Yardoum. Bah, pour qui CLG? CLG, Dignitas à la position, mais CLG est quand même bien placé au niveau de cette rivière topside. Ouais, le problème c'est que là, des CLG, ils ont la position du baron. Et du coup, en théorie, tu envoies juste, je sais pas, t'envoies l'Od, tout simplement, faire le dragon limite. Parce que là, il n'y a pas de vision du côté des CLG. T'envoies l'Od faire le dragon en solo, et comme ça, t'as encore 4 personnes qui peuvent mettre la pression au niveau du Nashor. Oui, tu peux faire ça. C'est... Après, il est obligé de back et de revenir, donc tu perds un certain... Ouais, mais après, certains horizons temporels quoi. Tu pars en horizon temporel, mais après à 4 ils peuvent défendre le baron. C'est sans langage, hein, juste ils restent à distance, ils mettent une pression psychologique. Et l'autre, même une fois qu'il est loin, il est au niveau du buff, mais le rappel de rideau. Il y a moyen d'ailleurs langage le rappel de rideau, peut-être Chaser. La traque de Chaser. Chaser, on va mettre petit Lulu directement. La croissance était peut-être un peu trop tôt du côté des Dignitas. Il n'y a plus de flash sur Wii, ça se dit, plus de flash sur Afromu non plus. On a fait cramer deux flash et le flash sur Norgana en teamfight, ça peut être complètement game breaker. Surtout quand t'as pas Oryx Missy. J'allais dire surtout quand t'as pas de tank en fait pour placer ta boule, t'es parfois obligé de faire des flash shockwave qui ouais. sont et voilà, pour carrer la team. Ça commence, les CLG tranquillement s'arment, reprennent leur pattern de jeu traditionnel, celui où Darshan vient épuiser, effriter la défense adverse via une lane où personne ne veut aller. Et il force Sunday en permanence à venir défendre ses tours. Et à un moment donné, ça va être encore plus complexe parce qu'elle pourra aller directement le chercher sur la lane. Ça me dit qu'il sera obligé de TP et à ce moment-là, c'est les Dignitas qui vont se retrouver dans une situation très complexe. Ouais, il faut qu'ils forcent des moves, les Dignitas, dès maintenant. Ils ont que 1500 gold d'avance, hein, 1500 gold. Bon, le dragon infernal qui va un petit peu augmenter cet écart gold et qui va l'augmenter indéfiniment dans cette game. Et ça, c'est une chose très importante parce que là, où normalement chez CLG, on a un late game qui est monstrueux. Le dragon de montagne permettant de dépasser le cap gold full stuff finalement. C'est toujours intéressant pour les Dignitas de l'avoir pour compenser un petit peu cet avantage CLG Lake. Et le prochain dragon sera encore un infernal. Ça par contre c'est une info très importante. Parce que ça peut complètement nullifier un petit peu la draft des CLG. Yardoum, tu maintiens ton pronostic? Toujours. Tu restes? Tiras jusqu'au bout? Jusqu'au bout, 2-0 Dignitas. Tiras jusqu'au bout? Pas de soucis. D'accord. Je te demanderai si tu maintiens ça lorsque Nexus de Dignitas explosera. Bah je dirais que j'aurais tort, que j'ai eu tort tout simplement. Tu retourneras ta veste? Non, j'ai eu tort. Non, tu retournes ta veste, c'est ça? Je ne retourne pas ma veste moi, pas de soucis. Ah si, si jamais t'acceptes que les faits sont les faits et que tu restes pas ferme de mauvaise foi. Ah mais les CLG vont gagner. Le retournement. Je sais pas de quoi tu parles. Attention Sunday, le flash out tout de même. Mais on a fait cramer une shockwave et là c'est un timing important. C'est-à-dire que les Dignitas peuvent faire une grosse engage ici. Sunday il back, il fait un TP directement et boum, ils vont comme des gros bois au niveau du baron Nashor. Y'a pas de shockwave. Et du coup, à partir du moment où t'as pas de shockwave, le baron Nashor, tu peux le faire. Qu'est-ce qui va t'empêcher de faire un baron Nashor? Bah, y'a quand même l'outil de Xmissi. Les dégâts de Xmissi, ouais, mais tu peux mettre la pression. Plastique, c'est aussi, hein, les trappes. Parce qu'une fois que t'as pas de point de retour, une fois que t'es enfermé par des trappes dans le pit du baron, tu prends quand même pas le meilleur fight du monde. Bah, mais si tu tentes pas des moves comme ça, au final, tu vas te faire gratter par la compo adverse. Tu vois, je suis d'accord avec toi que c'est risqué. Mais le problème c'est que t'as le compo adverse, au bout d'un moment, bah, on va te dire écoute, il y a une Caitlyn en face à 650 de range qui te met des patates à 2k dans la tête. Bon, peut-être pas 2k bien évidemment. Ça me semble compromis. Regarde, tu vois, regarde ces fameuses traps, elles sont là. Et t'imagines là s'il y avait une Caitlyn? T'imagines les conséquences, Gardoum? Tu vois ce qui arrive, Gardoum? Elle est pas là? Elle est pas là. Mais elle aurait pu être là en train de faire là. Tu crois que c'est comme ça, c'est aussi facile, toi? Non, moi je crois qu'ils vont gagner Dignitas. Je crois que ça. J'ai foi, tu vois. Alors, les Dignitas regroupés. Là, ça fait le jeu des CLG. Hein, parce que dans 10 minutes, les CLG, ils auront une Caitlyn avec deux items de crit, une lame d'infini. Ça va commencer à mettre beaucoup de dégâts. Et pareil pour Oui, je suis pas un grand fan de l'écho de Luden en deuxième item lorsqu'on est derrière. Je préfère quand même le bâton du vide pour partir sur un Rabadon qui via ses ratios AP permet au moins de bien protéger sur le shield. Mais bon, l'optimisation de Oui lui appartient. Et sur la top lane par contre on est très très bien pour Darshan avec 297 creep. Moi le point que j'aime beaucoup en fait c'est depuis le 7.4, c'est l'amélioration de la Swisper. Ce qui fait que la Caitlyn va être encore plus forte que ce qu'elle aurait pu être avant ce patch là.
parce que la Swiss Power est passée à 45% de Pain Armure bonus. Et du coup, c'est extrêmement intéressant, quoi. C'est-à-dire que ça coûte 1300 gold. Donc là, quand tu vois qu'il y a énormément d'armure sur Someday, limite, tu ne termines pas ton deuxième item attack speed et tu fais un la Swiss Power qui coûte 1300 gold. Qui fait exactement le prix de l'amélioration d'un Zell, sauf que ça va t'apporter beaucoup plus de dégâts. Non, clairement, les tanks perdent énormément en patate. C'est en 7-5, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est en 7-5 le dernier souffle. 7-4. 7.4, hein, là du coup dès maintenant. Ouais, d'accord, bah donc c'est un gros coup. Puis après il y a la BRK. Non, 7.5 c'est la BRK, c'est ça. C'est la BRK, ouais, 7.5. Ouais. D'ailleurs, je me demande sur les procs si. Ah bah Lucian il va être trop bien. Et Lucian, H, je pensais aussi, peut-être en 3ème item, 4ème item. C'est un truc auquel j'avais pensé en début de split notamment. Et... Mais je sais pas si ça va être joué. Je vais les pros au fond de Theorycraft, je n'ai pas encore regardé s'il y avait des gens sur Reddit qui a fait le Theorycraft. Oh, c'est pas mal par contre ce hook sur Chaser. Mais il y a Lulu, il y a beaucoup de risques à venir face check comme ça sur un Chopwave. Pas mal, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on continue forcément le split du côté de Darshan. Encore une fois. Après les points faibles, il va falloir en toucher un certain nombre pour pouvoir le tuer someday. Après prendre de la BRK sur H, c'est que est-ce que l'effet on hit va être plus intéressant que du crit supplémentaire sur H qui lui apporte des dégâts, un DPS constant, c'est pas du random avec H. Et c'est aussi plus l'intérêt du perso, là où le crit a un DPS constant comme ça avait de la vie. Je pose la question parce que je sais qu'elle a été, elle est vraiment vraiment up. Ouais, et ce petit tactif de Kaitin qui est toujours intéressant, peut-être que pas du tout. Hein. Je sais pas, je dois avouer que... Après, ce qui est sûr, c'est que par contre, les tanks prennent un gros coup. Sur la top lane, déjà, on en a beaucoup moins. Et il est possible qu'on ait une grosse phase de bruiseurs qui reviennent, ce qui est plutôt intéressant. Après, les bruiseurs, c'est pas super intéressant d'avoir des Renekton versus Irelia en permanence, mais bon. On se lasse de tout, hein, garde-moi. On se lasse de tout. Après, moi, voilà, c'est quelque chose qui va me faire extrêmement plaisir. Mais après, question de goût, bien évidemment, dans le jeu, dans le cast, dans tout. On peut pas tous aimer les mêmes choses. C'est ça qui fait la beauté. Ce qui est important, moi, ce que j'aime, c'est la diversité. Et ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des tanks qui, résolument, puissent survivre. Je pense que tout ce qui est Nosus, etc., selon les drafts, ça pourra toujours se faire. Galio qui va arriver aussi, et Galio qui va être assez monstrueux, 7.6 d'ailleurs. Ouais. C'est, alors, ah oui, Galio, oui, quand c'est tu vois vrai. La présentation du personnage, ouais. T'as une espèce de Superman qui arrive dans la faille et qui en combo avec Casio va être monstrueux parce que tous ses sorts vont bump. Tous. Ah, il paraît que Galio c'est complètement retard. Hein. Tous les gens qui ont testé, ils disent que Galio c'est nouveau, c'est genre une espèce de Malphite amélioré. Bah concrètement, Malphite t'as un R qui a une petite zone pour bump, ouais. Un seul spell. Galio t'as trois spells qui vont bump et t'as la zone qui est tout simplement énorme. Ouais, mais c'est parce que je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vendu de skin sur Galio. Plus le taunt en plus, c'est-à-dire que t'as toujours un taunt mais qui est devenu en spell normal. Oui, c'est comme si on faisait on transformait TF et qu'on repassait de ce TF là au TF initial. Celui qui avait toute la map, le bon TF backdoor. Ah, c'était même pas le TF toute la map, c'était un sort de base le TP. C'est donc niveau 1, tu mettais un TP dans la buisson, tu posais une ward, les joueurs jouaient TP, tu faisais TP sur la ward, tu prenais le first blood. Legit. Complètement legit. Il y a des persos à leur sortie qui sont magnifiques. Graze à sa sortie avec le Buckshot qui te met des 60% HP. Ginzao qui dépopait tout le monde. Dragon Infernal qui pop le deuxième de la game ici. Le problème c'est que les Dignitas n'osent pas aller le faire encore puisque forcément il y a toujours cette pression du baron. On retrouve exactement le même schéma qu'il y a 6 minutes finalement. La Caitlyn, les dégâts sur Someday sont énormes. Je pense vraiment que ça a été un mauvais choix de terminer le Rapid Fire Cannon maintenant au lieu de faire un Last Whisper. Parce que là on le voit, Someday il se prend un headshot et le headshot il l'ignore complètement. Ouais. Je pense que, mais de toute façon, le problème de l'itemisation avec double crit pour une Caitlyn, c'est que oui, tu gagnes donc en vitesse d'attaque et en chance de critique. Darshan, ouais, Darshan qui a tenté un style, wow, c'est pas mal joué ça, un style c'est. J'en parlais de ce fameux baron de l'autre côté du mur. Ouais, le problème c'est qu'il y a énormément de dégâts et ça se déplace très vite du côté d'Ignitas. C'est que tu manques de dégâts hein, parce que les items BF font pas assez de damage de base. Et donc là. C'est vrai que Zell, juste un Zell plus un dernier souffle aurait été sûrement plus astucieux en effet Gardoum. Ouais, après bon, ça n'a pas été son choix, un petit peu comme le stuff de Oui qui a d'ailleurs son Void Staff maintenant. On va commencer à arriver dans une phase normalement forte pour SLG, et je trouve que cette phase qui est censée être forte est pas mal compensée, donc l'avance au gold est nullifiée maintenant, mais on a les deux dragons infernaux. Et ça par contre, ça met les Dignitas toujours devant. Les dragons infernaux, je pense que c'était leur seul choix pour compenser la draft ultra late des SLG. Je vois pas comment il le tombe la Someday. Enfin, il va falloir un kiting de 2h30. Hein. Ouais. Ça y est, c'est bon. Si dernier souffle. Dernier souffle, il y a quand même deux personnes pour appliquer les stacks de Black Cleaver. Donc si t'arrives à appliquer les stacks et ensuite que Stixé peut être en mode clic droit, enfin clic droit face à Kin, Chaser et Someday, ça va être simple. C'est pas évident. Et j'ai peur qu'il y ait un cancel de Stixé.
Mais bon, la game se stall, 34 minutes de jeu, 12 kills. Les CLG, les Dignitas se regardent un petit peu dans le blanc des yeux. On essaie de trouver une porte de sortie de part et d'autre, mais cela semble bien complexe. Toujours un écart gold très faible. Ils l'ont commencé, les Dignitas. Ouais, c'est très serré. Et ouais, il y a la control ward qui enlève la vision complètement. Darshan qui fait le split push. Est-ce que ici peut le voler? Là, c'est un all-in du côté d'Initas. Il le sable. Leur power spike est légèrement passé. Ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Chaser qui va venir au contact sur X-Missy. C'est pas mal le rappel de rideau sur X-Missy derrière. Pendant ce temps, regarde sur la bot lane. On a quelqu'un qui est en train de terminer la T3. Et Chaser qui tue uniquement le support. C'est pas suffisant. Il perd un inhibiteur. Someday qui est obligé de all-in avec Chaser. On va essayer d'aller sur 6M. Et la protection est bonne. L'ulti de la part de X-Missy. On va aller chercher les joueurs de CLG. Le sable, les joueurs d'Initas. Ils n'ont plus le choix. Oui, qui va tenter le oui ten run. Mais ça ne passera pas. Et derrière, eh bien, le fight appartient au Dignitas, mais un inhibiteur est tombé côté CLG. Attention, Darshan qui va prendre le kill là sur Kin, justement, full 1v1. C'est compliqué ça pour les Dignitas. Et malheureusement, ce fight a été ruiné par la bolasse de Chaser, c'est-à-dire que Chaser a failli sa bolasse sur X-Missy, ce qui fait qu'ils n'ont pas tué le jungler adverse assez tôt dans le fight. C'est un fight de Chaser, et du coup, bah, évidemment, le split push de Darshan qui fonctionne très bien, hein, mais gros fight de Chaser ici qui ruine tout le move Dignitas. Ouais, je pense que c'était pas du tout à lui de go in. Et voilà. Et voilà le tournant de la game, et voilà. Comment CLG met les fans de Dignitas en PLS. CLG va gagner de 2-1 ce but. Ouais, mais tu l'avais bien dit depuis le début. Ouais, c'est bien. Mais je trouve que Noah a une très bonne influence sur toi, Gardon. Et les CLG qui sont partis justement. Attention, parce que là, ça peut être un call un petit peu olé olé du côté des CLG. D'aller comme ça au nez à la barre des Dignitas. On force le téléport sur Someday. Hop, directement, c'est bien joué. Ça, on arrive sur X-Missy. La grenade. On va être sûr de pas louper l'abordage ou quoi que ce soit. Et là, il n'y a plus de smite. Il n'y a plus de smite du côté des CLG. On va récupérer Darshan aussi, attention. X-Special qui perdrait un petit backup. Mais on n'a pas de dégâts pour venir embêter ce Darshan. C'est un petit peu dommage. Le Kin qui vient de raise. Et là, le problème, c'est que les CLG, bah, au niveau d'un fight en direct, bon, on a la shockwave. Mais à partir du moment où on n'a pas de smite, les Dignitas peuvent normalement potentiellement faire ce baron. Normalement, potentiellement. Ça fait quand même. C'est assez limité en possibilité. Ouais, c'est. L'univers du possible est quand même très restreint, Gardoum. Ah, par contre. On place la boule. On place la boule du côté de Wii. Il n'y a pas les traps. Tu vois, tu parlais des fameux traps tout à l'heure, mais ils sont pas là. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une parade qui a été lâchée. Il n'y a plus de parade du côté de Darshan. Il ne peut pas trop rentrer dans le fight. Langage sur Wii. Le burst sur Wii. Oh, derrière, c'était pas mal justement du côté de Wii. On avait la shockwave. Mais Kid pourra vivre Someday pour l'instant en protection. C'est le baron qui revient au Dignitas. Ça n'a pas suffi au CLG. Cet inhibiteur récupéré. Et les Dignitas qui font le break. Gardoum, tu l'avais bien dit. Kin ! Mais non ! Kin ! Mais pourquoi il reste à portée? Il a voulu placer son stun, il l'a placé trop tôt après le GA et il reste à portée de Darshan. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Tu es payé pour jouer à ce jeu. Enfin, il y a un moment, quand t'es payé, t'évites de grid comme ça, c'est dommage. C'est tellement dommage de perdre un baron et de perdre une tempo comme ça, justement, qui aurait pu être intéressante. Là, tu perds du temps, tu perds 40 secondes pendant lesquelles t'as pas de midlaner. Ouais. Un peu parce que là, la bolasse de Chaser, hein, on l'a revu justement qu'il l'a failli sur ici et ça perd le kill. Ça perd le kill tout simplement ici, ça ralentit le fight des Dignitas. Malheureusement, il a le trap par contre qui avait été très très bien placé à l'avance de la part de Styx. Et pouf, headshot. Moi, j'ai pas vu le flashing de Wii. Oh, je n'avais point vu cela. C'est assez moche. C'est bien parce qu'on revoit tous les moves de tout à l'heure qui ont été mauvais des Dignitas. Eh oui, la Kin. Hop. La bonne Fera Speed Push, BT, Hydrovoras, Black Cleaver. Tu peux rien faire. Elle récupère autant de points de vie qu'un coup de tour, hein, sur une auto-attaque. Bon, là, c'est au tour des Dignitas d'essayer de faire le break. Ils n'ont pas vraiment le choix. On est à 38 minutes de jeu, ils le savent. Les CLG n'auront pas éternellement moins de stuff qu'eux. Surtout qu'il n'y a pas un écart goal monstrueux, seulement 2k8. Mais ces 2k8, je dirais qu'on peut leur rajouter 6k quasiment, avec les dragons qui apportent des stats. Ça fait 6k de dragons? À 38 minutes de jeu, je dirais même que ça fait plus 8k en termes de stats. Tu penses vraiment? 16% d'AD d'AP supplémentaire sur 5 personnages. Ça fait 30 d'AD et 30 d'AP quoi à peu près. Bah, même pas, ça fait 30 d'AP. 30 d'AP sur les mages et 30 d'AD sur les et 15 d'AD. Je dirais 6k au total, je dirais au moins 6k. Pour l'instant ça avance du côté d'Initas. Parce que t'es sur un Jin, il a 677, ouais, c'est vrai, du coup. Rengar pareil qui stack énormément avec l'AD. C'est vrai. Ah peut-être dans cette compo là, ouais, tu dois pas être loin. Et Darshan, voilà. Qui continue Darshan, il a raison.
c'est tellement dur d'attaquer, c'est tellement facile de défendre dans League of Legends que le speed push, lorsqu'il est bien effectué, les CLG savent le faire, est extrêmement valorisant. Afromo par contre vient de se faire engager, Dignitas qui vient de lancer un call absolument monstrueux, XMC qui va se prendre un burst de la part de LoL, le double kill du carrière des Dignitas. Il faut quand même contrôler, il y a un virus dans la base, ce virus s'appelle Darshan et une tour tombe à son tour, la shockwave qui va toucher deux joueurs, mais le problème c'est qu'il n'a pas d'AP. Oui, il n'a pas d'AP, il a raté son early, il est parti sur un Luden, c'est pas suffisant, la rédemption va annuler complètement le burst qu'il vient de mettre avec son ulti. Dignitas 2-0. Et les Dignitas qui poussent. Darshan, est-ce qu'il peut aller le faire? Ça paraît compliqué. Les Dignitas qui vont aller chercher cette tour de Nexus, la T4 qui va tomber une première. C'est 2-0. Bon, c'est la game pour les Dignitas. Et tu l'avais dit, Gardoum, CLG va gagner 2-1. Alors que moi, j'ai toujours dit que Dignitas allait gagner 2-0. Bien sûr, je reconnais mon erreur, tu vois, Zab. Je suis désolé, je m'étais trompé. Je m'avais trompé, je croyais que Dignitas allait gagner. Et c'est CLG, bien sûr. Du coup, 2-0 près Dignitas, plutôt pas mal. Bien géré ce BO, et finalement, pas mal d'erreurs des CLG, des petites erreurs au niveau de cette Orianna mid qui n'a pas un stuff adapté. Une Orianna qui snowball, effectivement, on l'a dit, hein, le Luden en deuxième item, c'était très bien. Darshan qui a tenté, tant bien que mal. Il sait faire du speed push, Darshan, il speed push, il a pris deux inhibiteurs. Là où les adversaires n'ont pris qu'un seul. Ouais. À lui seul, il prend plus de. Non, mais le turn là qu'ils viennent de faire, le call, en fait, c'est juste Afromu qui overextend. Et là, ils se disent, mais en fait, go sur Afromu. C'est un call de Sunday. Il se retourne, il fait le turn, il stun. Et après, je sais pas pourquoi les CLG disent, oh, on peut finir. Il faut absolument qu'on aille défendre notre support alors qu'on a notre top laner en speed push. Et du coup, bah. Ils y vont et ils se font tuer. Ouais. C'est fini, se péter. Le con Spontex d'ailleurs qui stoppe la Ligue des Légendes. Oui, j'ai vu son message sur Twitter aujourd'hui, sur Facebook. Il reste disponible en caster ou en coach. Ouais, le problème c'est que c'est difficile de pas jouer du tout au jeu. Après, il y jouera forcément un petit peu. Ouais, c'est ça, il va y jouer, je pense, une fois de temps en temps, comme fun, quoi. Mais pas trop pris. Le problème c'est que si jamais, en fait, t'as pas le choix, soit tu vas jouer au niveau pro, tu vas peu caster, donc tu vas apporter une connaissance de solo queue très haut niveau dans ton cast, soit, au contraire, si tu joues pas, faut énormément caster. Mais tu peux pas juste pas caster et pas jouer et arriver parce que là t'es perdu quoi, en termes de strong pick et de méta. Déjà que la solo queue représente pas vraiment la méta compétitive et que si tu regardes pas des matchs compétitifs t'es un peu aux fraises. Non, t'as des trucs intéressants après, c'est au niveau notamment des picks coréens en solo queue. T'en as pas mal qui lorsqu'ils arrivent en solo queue et qui sont très joués, qui se retrouvent après parfois au niveau des games pro. Après ça te donne pas les stratégies ni rien bien évidemment, mais ça peut te donner une idée des picks qui vont arriver. Ellie, un petit mot sur ce BO? Et bah, très agréablement surpris que Dignitas nous sorte un BO aussi efficace. Et qu'il, notamment, oui, le poulet, bah, on en avait parlé, hein, c'est un joueur de talent. Et là, il l'a montré par deux fois, que ce soit sur Syndra ou sur quel pick il avait joué en première Cassio. Cassio, exact. Il a été très propre. Honnêtement, après, bon, on sent que c'est difficile hein, de jouer contre un speed push, notamment quand c'est Darshan sur Fiora. C'est dur, mais ça a suffi. Franchement, la course au playoff est encore envisageable pour Dignitas. C'est encore envisageable, hein. Clairement, il y a largement de quoi faire, enfin largement, peut-être pas, mais ils peuvent en cherchant bien, aller prendre les prochains matchs. Alors d'ailleurs, quels sont les prochains matchs Est-ce que je vais avoir ça ici? Hop, on est sur... Donc Dignitas, ce soir, ils viennent de gagner face au CLG, bien évidemment. Prochain match, c'est face au Echo Fox, c'est largement prenable. Ensuite, face à Team Liquid, c'est prenable aussi. Face au Envy, prenable. En fait, tous les prochains matchs, c'est pas des grosses teams. Les Dignitas peuvent largement aller au playoff. Là, ils peuvent faire full win sur les prochains. Ouais, je pense qu'ils peuvent... Après, il y a quand même Cloud9 et Immortals. Ouais, écoute, ça se fait. Dignitas qui est pas out, ils ont joué tous les gros, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu baissés dans le classement, mais là de ce que je viens de voir, après moi je suis toujours pas satisfait de leur duo lane, même si mettre un rappel du rideau, il y a beaucoup d'errements de la part de XSpecial, il est pas assez décisif, même si bon là avec Lulu il a réussi à faire la différence. Je pense que par exemple les ultis de Lulu, les croissants sur les Rengar beaucoup trop tôt dans les fights, etc., peuvent leur porter préjudice contre des équipes qui justement arrivent à tempo les phases de fight et les ultis pour réengager derrière. Mais bon, dans l'ensemble, ça porte satisfaction. Je trouve qu'ils ont rempli leur contrat. Les CLG, par contre, c'est un petit peu alarmant, messieurs. Ouais, bah, ça fait déjà un moment qu'on en parlait. Bon, déjà, la semaine dernière, c'était les drafts. Là, pour le coup, c'est vraiment le niveau de jeu. Afromo a été très, très, très décevant. Hein. Les flash hooks qui atterrissent dans le chou, c'est lui qui se fait attraper en late game et qui bait son équipe un peu dans la mort. On n'est pas sur le Afromo de l'ancien temps. C'est vrai que c'est assez triste. Et CLG, ouais, c'est la chute. C'est la chute et eux, pour eux, par contre, les playoffs ne sont pas assurés. Ah non. Et on a l'interview. Bottom laner, AD carry for, I guess you played some Zinks, or it goes back and forth. Anyway, doesn't matter. You play the bottom lane for Team Dignitas. I want to ask you, because you guys had an 0-2 week last week, how did you guys recover from that?
I was surprised that we actually just 2-0'd because our scrims weren't like super good this week. But even though we went 0-2 last week, the games weren't too bad. Like we got leads in a lot of games. We just didn't close it out properly, so we didn't feel like too bad about it. Just kind of kept grinding and yeah, showed up today. And you guys actually traded away Stunt as well from the bottom lane, so you haven't had to work with him anymore. Just Xspecial. So what was the thought process behind trading away Stunt, and how have you been feeling about it? I think Stunt's a really good player, but I mean, there's an opportunity for him to be a starter on P1, right? So it's just a better opportunity for him. And then I trust Xspecial a lot. The whole team trusts Xspecial a lot. So we're fine just having him play all the time. Yeah. All right, awesome. You know, looking forward to if you guys ever meet each other again in this split. So final question here for you. You guys are now 4 wins in your last 6 games, and you guys are finding a decent amount of consistency here as you're making a run for playoffs there. How have you guys actually been finding that consistency for Team Dignitas? Cop was just the answer, man. He came in and just changed everything. Like, before that, we were just losing every game. Didn't seem like there was much hope. And then he came through and just started lifting the team atmosphere up a little bit, changed the game. So it's been good. So I said final question, but I lied because I want to have a follow-up there. So what is the biggest thing that you think he's changed? You're talking about atmosphere, but what exactly has Cop actually done for you and the team? Oh, he's just a chill guy to have around, and he knows what he's doing. He's smart about the game. He's got a lot of experience. He's just useful. He's just cool to have around. It's good. So. All right, nothing but praise for the coach there. Well, congratulations, Lon, on the victory over CounterLogic Gaming. And now we're going to throw it over to the guys at the desk to actually close that one out. Ouais, Cop qui a changé beaucoup de choses. Cop qui avait été carriadé chez Gravity, puis qui est passé coach chez. Il était chez qui l'an dernier coach? C'était pas chez NRG. Non, c'était Hermite. Ah oui, c'était Hermite. Je me souviens plus. C'est pas très grave. Il est passé coach cette année qui arrive et qui fait aussi les beaux jours de Dignitas. Eh bien, tant mieux parce que Cop, son rêve, c'est d'aller au moins une fois au Worlds en tant que coach ou en tant que joueur. Il l'avait dit en 2015. Il n'a jamais perdu cet objectif de vue et on lui souhaite le meilleur. Du coup, ce BO étant terminé, on va passer au prochain. Ce sera donc FlyQuest qui va affronter Immortals, la Poub, qui va affronter l'équipe la plus imprévisible des LCS, NA et peut-être même de tout l'Occident. Ce sera après une courte page de pub. Restez avec nous sur Gaming. À tout de suite.